Je vais essayer de parler à la Suissesse, calmement. Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus dans cette nouvelle rencontre organisée par CRI International, Voix des victimes, depuis le début de l'agression de la population palestinienne de Gaza. Nous n'avons pas cessé de recevoir des témoignages de solidarité et de fraternité, mais aussi des lettres de menaces faisant même des membres de nos familles, des lettres anonymes qui reflètent la bassesse et la lâcheté de leur auteur. Mais la semaine dernière, en pleine préparation de cette conférence, une lettre signée, c'est quelque chose signé, hein, mais parvenue, dont le contenu reflète malheureusement un manque de culture et un don pour la fabulation. L'auteur de cette lettre se dit consterné par notre manifestation qu'il qualifie d'antisémite. Il ajoute apparemment à partir de son confortable canapé, il a été en train de gratter, ta, 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 de la banlieue de Genève, qu'Israël n'a pas commis de génocide et que dire le contraire est un préjugé immoral. Inutile de dire que moi, personnellement, aussi je suis consterné quand, aux images des corps de bébés et d'enfants découpés par Israël, la puissance militaire la plus morale du monde. Je suis aussi consterné devant les scènes et les témoignages d'assassinats de patients d'hôpitaux, de femmes enceintes et de nourrissons accoucheuses. Consternation encore, car comment ignorer qu'Israël, la première démocratie de la région, a pris pour cible, de manière ludique et théâtrale, des Kenyans désarmés en kidnappant et en humiliant des milliers de personnes, même par le viol. Consternation toujours, car quelle morale y a-t-il dans ces soldats qui plaisantent et offrent à leurs proches en Israël des scènes filmées de massacres et de destructions systématiques? Qui peut raisonnablement expliquer le comportement des colons en Cisjordanie, donnant l'impression qu'aucune paix n'est possible face à des Palestiniens sans défense? Comme vous, monsieur, je suis consterné enfin face à l'infamie de nombreux régimes complices de meurtres programmés des Palestiniens au nom de la normalisation. Je souhaite la bienvenue à Madame l'ambassadrice de l'Émirati d'Arabie, qui n'a pas été invitée. Soyez bienvenue, Madame. Comme vous, je suis consterné face à l'attitude des dirigeants occidentaux qui ont donné au gouvernement de Netanyahou un chèque blanc pour massacrer les enfants de Gaza. Comme vous, je suis consterné lorsque, en Suisse, sur la base de la doctrine qu'assiste complice, on évoque la neutralité pour rester passif et même pour être complice devant ces massacres. Comme vous, je suis consterné devant votre logique stupide qui vise à nous traiter d'antisémites pour nous faire taire, pour que vous continuiez vos crimes et protégez cette machine de haine. Nous sommes plus sémites que vous. Et nous sommes plus respectueux vers les Juifs que vous, puisque vous êtes une menace pour les Juifs dans le monde entier. Enfin, contrairement à vous, je suis consterné par la douleur et la souffrance de toutes les victimes, sans différenciation aucune, qu'elles soient arabes ou européens, juifs, chrétiens ou palestiniens, qu'elles soient justes, humaines. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment pour votre. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être venus si nombreux à notre conférence Continuons à agir pour la paix et la justice en Palestine, organisée par l'association CRI Voix des victimes, présidée par Abdel Jalil Zahri, que vous avez pu entendre, et puis aussi par la coordination des organisations islamiques suisses, présidée par le docteur Farhad Afshar, donc qui ont eu l'amabilité aussi de proposer à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, dont je suis le vice-président, d'assumer la modération. Si vous le permettez, je vais, avant de commencer aussi, présenter un peu l'événement, puis par la suite aussi, avant les interventions, présenter pardon, rapidement chaque intervenant. Depuis le 7 octobre 2023, la réponse disproportionnée des forces armées israéliennes à Gaza a conduit à une des catastrophes humanitaires les plus graves de notre époque, le tout sous les yeux de la communauté internationale et des grands médias internationaux.
Pour la période allant du 7 octobre 2023 au 8 décembre 2023, 17 487 civils ont été tués à Gaza, soit une moyenne de 277,6 par jour, et on compte également 7 729 enfants, ce qui représente 122,7 par jour. En comparaison, en Ukraine, du 24 février 2022 au 4 décembre 2023, 6 702 civils ont été tués, ce qui représente une moyenne de 10,3 par jour, et 386 enfants étaient à déplorer parmi les victimes, soit une moyenne de 0,6 par jour. Ces chiffres sont ceux fournis par OCHA, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires, et sont disponibles dans le dernier livre de Jacques Beau, Opération Déluge d'Al-Aqsa. En janvier 2023, OCHA rapportait que 23 074 civils avaient été tués, et depuis, ce chiffre n'a cessé de monter pour dépasser les 33 000 victimes civiles. Ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre, et après 75 ans d'occupation à Gaza comme en Cisjordanie, il est devenu évident que le droit international est appliqué à la carte par les États-Unis et leurs alliés en fonction de leurs intérêts géopolitiques, même si cela implique de couvrir et soutenir des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et ce qui apparaît de plus en plus comme un crime de génocide. L'ampleur des destructions, les crimes commis et souvent filmés, ainsi que la volonté d'expulser les Palestiniens de leurs terres en les envoyant en Égypte, voire en les réinstallant dans le Sinaï, démontrent cette intention. Ces doubles standards affaiblissent et décrédibilisent le droit international. Les fréquentes violations de la souveraineté du Liban et de la Syrie par Israël n'amènent aucune condamnation des pays occidentaux, comme ce fut le cas récemment avec l'attaque israélienne contre le consulat iranien de Damas. Aucune raison n'a justifié cette violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et les représailles de la part de l'Iran qui peuvent être considérées comme conformes au droit à l'autodéfense reconnu par la Charte des Nations Unies ont été présentées comme une agression unilatérale et sans motif de l'Iran dans les médias occidentaux. Les réactions de nombreux États membres des BRICS et l'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, ainsi que plus récemment l'action du Nicaragua contre l'Allemagne, ont montré que les autres États du monde qui représentent aussi la communauté internationale ne pouvaient plus tolérer ces doubles standards. Mais les États occidentaux s'entêtent dans leur unilatéralisme et leur instrumentalisation du droit international. Le 20 février, les États-Unis ont opposé leur veto au projet de résolution de cessez-le-feu proposé par l'Algérie. Le 18 avril, au Conseil de sécurité, les États-Unis ont émis à nouveau leur veto contre la proposition de l'Algérie de reconnaître la Palestine comme État souverain et indépendant, membre de plein droit des Nations Unies. Le Royaume-Uni, mais aussi malheureusement la Suisse, se sont abstenus. Ce dernier point pose beaucoup de questions quant à la politique étrangère du Conseil fédéral et à ce qui apparaît de plus en plus comme un abandon de la neutralité au profit d'intérêts géopolitiques étrangers contraires aux intérêts de la Suisse et du peuple suisse. Cette décision continuera d'affaiblir la position et la crédibilité de la Suisse en tant que pays porteur de valeurs humanitaires et acteur crédible dans la médiation et la résolution de conflits. Cela a de nombreux impacts, comme le refus de la Russie d'accepter que la Suisse propose ses bons offices en représentant Kiev à Moscou, et vice-versa. C'est aussi une menace sur la perception de l'impartialité du CICR et donc aussi de l'efficacité de son action sur le terrain. Et plus récemment, on l'a vu aussi, la proposition de négociation de paix sur le conflit ukrainien, mais sans la participation de la Russie. Donc il semble indiquer que la boussole de la neutralité est cassée à Berne. La cause de la justice et de la paix en Palestine mobilise depuis des décennies de nombreux militants en Palestine, en Israël aussi, et ailleurs dans le monde. De nombreuses manifestations ont mobilisé plusieurs milliers de participants à Genève, à Lausanne, ailleurs en Suisse, et des millions de manifestants sont mobilisés à Londres et ailleurs dans le monde, montrant que le soutien apporté au peuple palestinien était bien plus important que ce qui était reflété par les médias mainstream. De nombreuses manifestations et actions de protestation en Suisse et ailleurs dans le monde ont été organisées par le mouvement BDS, dont l'appel au boycott des produits israéliens, dont ceux provenant des colonies, affecte l'économie israélienne et est considéré comme une question de sécurité nationale par les stratèges israéliens. Notre camarade Abdel Jalil a organisé de nombreuses conférences sur le thème de la Palestine, de l'Ukraine et d'autres conflits, malgré de nombreuses pressions, et nous le remercions ainsi que les participants pour l'occasion qui nous est donnée d'aborder aujourd'hui la question de la paix et de la justice en Palestine. Le JPRI que je représente est également actif depuis de nombreuses années. En 2008, nous avons réuni des ingénieurs hydrauliciennes palestiniennes et israéliennes afin de travailler sur la question des conflits et de la coopération autour de l'eau. En 2020, après les événements de la marche du retour, nous avions publié une tribune de notre président Gabriel Galis
et de notre collègue Alfred de Zayas, qui est ici présent, dans le journal Le Courrier. Suite à la catastrophe humanitaire qui frappe Gaza, le JPRI a décidé de lancer un appel à apporter le plus rapidement possible une assistance humanitaire requise aux Gazaouis, alors que Gaza était et reste complètement assiégé. Le quotidien belge Le Soir a publié notre appel à la fin du mois de février, le 29, et le même jour d'ailleurs, l'ancien fonctionnaire du département américain qui avait démissionné de son poste pour ne pas être complice d'un génocide, Josh Paul, a repris notre initiative lors de son interview sur CNN avec Christiane Amanpour. Et puis en mars, l'association belgo-palestinienne a repris notre appel à ouvrir une voie d'acheminement d'assistance humanitaire aux Gazaouis par voie maritime. Notre proposition a été portée au Premier ministre belge, mais cela n'a débouché sur aucune réaction ou action significative. Le 5 mars, la Tribune de Genève a fait un effort en publiant notre proposition, et nous avons ensuite contacté différents gouvernements européens et étrangers, leur mission diplomatique à Genève et la Commission européenne, afin de les informer de la situation à Gaza et de savoir quelles seraient les mesures qu'ils comptaient prendre. Nous n'avons reçu aucune réponse, ou au mieux, des réponses dilatoires. Nos prises de position ainsi que notre lettre ouverte aux dirigeants de l'UE ont été publiées sur Counterpunch notamment. Au cours de la même période, après des largages d'aide humanitaire par voie aérienne ayant coûté la vie à des Gazaouis, le gouvernement de Joe Biden a annoncé considérer l'envoi par voie maritime de cette aide humanitaire. En l'apparence, l'idée semble nécessaire et utile, mais en fait, elle vise pour Washington à achever le verrouillage de Gaza pour avoir un contrôle total de la situation et prévenir toute initiative indépendante du type de la flottille pour Gaza. Je souligne d'ailleurs qu'une flottille aussi devrait normalement se rendre sur place. On verra ce qu'il en sera. Et aussi, c'est une initiative américaine qui va servir finalement à bloquer tout État désireux d'aider réellement les Gazaouis. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron avaient exprimé un intérêt pour l'initiative américaine, dont on peut d'ailleurs questionner les intentions réelles et les effets. L'entreprise qui est chargée de construire ce port à Gaza, c'est l'entreprise Fogbau. Et l'entreprise Fogbau, eh bien, on y trouve beaucoup d'anciens du Pentagone et de la CIA. Et ils ont été reçus au mois de mars ou au début du mois d'avril par le président français Emmanuel Macron. Suite à ces développements, au JPRI, nous avons décidé de changer notre mode d'action et nous étudions désormais les possibilités d'action judiciaire tant au niveau européen qu'au niveau suisse. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous le permettez, je vais vous présenter nos intervenants par ordre, et ce sera ensuite leur ordre d'intervention. Nous avons Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse et du renseignement stratégique suisse, ancien responsable de la doctrine des opérations de paix de l'ONU. C'est un expert en géopolitique et auteur de nombreux ouvrages sur les conflits, le terrorisme et le renseignement, comme l'encyclopédie du renseignement, gouverné par les fake news, Opération Z, ou plus récemment, Opération Déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur. Nous avons aussi Youssef Boussouma, qui est avec nous, militant de la cause palestinienne depuis les années 80. Il participe à l'organisation en 98 de la campagne pour le droit au retour des Palestiniens et en 2001 à la fondation des missions civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Et il est également membre du Parti des indigènes de la République. Nous avons ensuite Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, auteur de nombreux articles et de prises de position très critiques en faveur de la paix et de la justice en Palestine. Il a participé à de nombreuses publications, notamment « Jean de Gaza, vivre dans l'enfermement », un recueil de témoignages de Gazaouis entre 2011 et 2016. Nous avons ensuite Christophe Oberlin, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main, notamment la fameuse procédure Oberlin pour traiter les paralysies. Il a travaillé en 78-79 en Centrafrique, puis a formé des chirurgiens dans une quinzaine de pays, tout en enseignant en Algérie et à Gaza, où il se rend depuis 2001 pour opérer les blessés sur place. Nous avons ensuite Alfred de Zayas, qui est l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour un ordre international équitable, qui est aussi juriste international, historien et spécialiste des sanctions unilatérales. Et puis nous avons Marie Géniez, donc, dont nous avons vu le film tout à l'heure sur les familles de prisonniers palestiniens, samaritains, musulmans et chrétiens. Donc, je vais donner la parole au colonel Beau tout de suite après moi, et puis nous réserverons les questions tout à la fin des interventions. Donc, merci beaucoup, merci pour votre attention, et surtout, merci d'être présent. Alors, bonsoir, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je voulais vous parler un petit peu de la genèse de mon ouvrage, sur l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Quand je dis Genèse, je devrais
En fait, préciser que j'ai commencé ce livre 3 semaines avant l'opération palestinienne à Gaza. Parce que je suis cette opération depuis, enfin pas cette opération, mais la situation dans la région depuis quelque temps. Et il me semblait qu'effectivement, on avait une situation qui était explosive et qui allait exploser. Alors, je ne me suis pas trompé, puisque 3 semaines après, et d'ailleurs certains qui étaient dans la salle savent que j'avais déjà à peu près dit ce qui allait se passer 1 semaine avant que la. Mais je n'ai pas de contact avec le Hamas. C'est simplement la simple observation des faits et la déduction de ce qu'on entendait à gauche et à droite. Ce qui m'a surpris, c'est que les pays occidentaux n'aient pas compris ça et qu'on n'a pas réussi à saisir la sévérité d'une situation qui devait exploser. Comme l'a précisé notre présentateur, cette affaire n'a pas commencé le 7 octobre, elle a commencé bien plus tôt. Et en réalité, ce qu'on a observé le 7 octobre n'est rien que le débordement d'un vase à la suite d'un certain nombre de gouttes qui étaient tombées depuis près de 80 ans. Et c'est ce que j'ai voulu présenter dans cet ouvrage, parce que j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait La guerre asymétrique ou La défaite du vainqueur. Donc vous remarquez que c'est le même sous-titre que mon livre de cette année, il y a 20 ans, où je parlais de la deuxième intifada. Et où je constatais que la stratégie israélienne pour combattre la résistance palestinienne ne pouvait que conduire à un désastre. On a une conduite israélienne qui, depuis d'ailleurs, en fait depuis qu'elle existe, mise sur des succès tactiques, autrement dit un nombre de tués, pour penser qu'elle va résoudre le problème. Or, en réalité, elle n'a fait que engendrer le ressentiment, elle n'a fait qu'aggraver une situation, elle n'a fait que rendre une situation toujours plus insoluble qu'elle l'était au départ. Il me semblait intéressant de revenir sur les faits, de revenir sur les éléments juridiques de cette affaire, de revenir sur les résolutions des Nations Unies, de voir ce qu'elles disaient, donc de revenir aux fondamentaux, aux textes. Et ce que j'ai vu après le 7 octobre, où on a commencé à vouloir immédiatement condamner, on ne vous a pas demandé de savoir ce que vous en pensez, on demande de condamner. Et il me semble particulièrement inquiétant pour une société qui se dit démocratique, qui se dit régie par l'état de droit. L'état de droit suppose que ce n'est pas l'arbitraire qui détermine, c'est le droit qui détermine, c'est l'étude des faits. C'est le fait de la rationalité de la décision. Comme il a été dit précédemment, j'ai fait partie du renseignement stratégique, c'est mon métier, je fais du renseignement. Ce n'est pas de l'espionnage, c'est du renseignement, c'est-à-dire de guider la décision, de donner les éléments qui permettent à un décideur de décider. Et ces éléments, ils ne peuvent pas être partisans. Ce serait malhonnête vis-à-vis des faits, ce serait malhonnête vis-à-vis du décideur, parce que je le pousserais dans une décision qui n'est peut-être pas la sienne. Il faut donc revenir sur les faits et purement les faits, et revenir sur les textes aussi. Et je dois dire que j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai travaillé en tout 4 ans au secrétariat des Nations Unies, j'ai travaillé en plus pour les Nations Unies dans le terrain, mais je ne m'étais jamais vraiment penché, par exemple, sur la résolution 180 des Nations, celle qui, comme certains le disent, crée l'État d'Israël, ce qui est d'ailleurs totalement faux. Ne crée pas l'État d'Israël, elle crée la possibilité ou l'option de créer 3 États. Un État juif, un État arabe et une communauté indépendante, ou pas indépendante, internationale, qui aurait été Jérusalem. Et c'est une proposition. Et je m'étais jamais vraiment pensé sur cette résolution. Et je l'ai lu dans le détail. Et j'ai constaté quelque chose que j'aurais pu examiner avant, mais que je constatais que tous les commentateurs qui se sont exprimés après cette date n'ont jamais lu. Cette résolution n'était d'abord qu'une proposition. Elle n'établit pas, parce que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas le pouvoir de prendre du territoire à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Et elle devait
cette résolution devait s'appliquer seulement sur la base de référendum. On devait demander au peuple, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de prendre position sur cette proposition et de l'accepter ou de la refuser. Et j'ai réalisé une chose que j'avais intuitivement pensée, mais que je n'avais jamais documentée et que, dans mon livre, j'ai cette fois-ci documenté, c'est qu'en fait, depuis 75 ans, un peu plus même, on est dans une situation, finalement, d'illégalité en Israël. On n'a jamais respecté le droit international. Depuis, avant même la création d'Israël, le droit international n'a pas été respecté. La force a pris le pas sur le droit et c'est finalement ce qu'on a vu comme une boule de neige qui s'est agrandie au fil des années et c'est l'aboutissement qu'on a vu le 7 octobre. Et l'idée de ce livre n'est pas de condamner les uns et les autres, n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas juge, mais je suis quelqu'un du renseignement, quelqu'un qui doit aider quelqu'un à prendre une décision, qui montre les éléments factuels qui doivent permettre aux gens de comprendre. Et je rappelle qu'en anglais, le mot renseignement se dit intelligence. Intelligence vient du mot latin qui signifie intellegere, comprendre. Le renseignement, c'est comprendre. Ça n'est pas assassiner, éliminer, espionner, c'est comprendre. Et j'espère que mon livre contribuera à l'objectif que je me suis fixé. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je ne sais pas combien de temps encore j'ai, mais je me réserve, à vrai dire, parce qu'il y aura sans doute une partie de questions, et c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes les questions que vous puissiez avoir, mais je voulais juste donner quelques éléments sur la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Merci. Alors, en théorie, on devrait avoir une intervention de Michel Collomb, et puis après, Ilan Pappé vers 19h, et ensuite on reprendra l'ordre comme ceci, donc pour Michel Collomb. Chers amis, je me faisais une joie d'être parmi vous à Genève, où j'aime beaucoup venir, où on a toujours des débats très riches, et malheureusement, la vie en a décidé autrement. Un accident soudain, un deuil dans la famille, il faut que je retourne là-bas. Je sais, ça nous rapproche de ce que vivent les gens de Gaza tous les jours. On perd les êtres chers. Et je sais que les autres intervenants du panel très riche ce soir rassemblé par notre ami Dari vous diront très très bien l'horreur de ce qui se passe à Gaza et en même temps le courage de ce peuple qui résiste. Et donc la question qui sort de tout ça, c'est que faisons-nous ? Je pense que le mouvement de solidarité avec la Palestine doit passer à une étape supérieure. Les manifestations, les petits boycotts, c'est bien, mais il faut des actions radicales. Je pense qu'il faudrait boycotter McDo, Starbucks, Carrefour, toute une série de complices directs du génocide. Puisque ces gens-là font ça pour le portefeuille, il faut les toucher au portefeuille. Mais je pense que pour avoir beaucoup plus de gens qui vont organiser ces actions de boycott et y participer, l'info reste la toute première bataille. Il faut qu'on arrive à persuader beaucoup plus de gens que le cercle des militants, des habitués, des gens déjà convaincus. Investigation a lancé Télé-Palestine et c'est vraiment tombé au bon moment, si j'ose dire, de donner la parole aux Palestiniens et de contredire le discours de la propagande de guerre. Mais la bataille de l'info, elle ne fait que commencer. On a quelque chose qui est très encourageant aux États-Unis. C'est-à-dire que des journalistes de New York Times, donc le quotidien le plus prestigieux, le plus influent, le plus copié dans le monde, des journalistes de New York Times ont lancé une bagarre à l'intérieur en disant que la ligne éditoriale de leur journal mentait et ils l'ont prouvé. Les directeurs du New York Times interdisent à leurs journalistes de parler de massacre quand on parle des Palestiniens. Sur les Israéliens, on peut employer le mot. Ils interdisent de parler de génocide. Ils interdisent même de donner le mot Palestine. Bref, il y a toute une information qui recopie le discours d'Israël. C'est une protestation qui montre que même dans les médias dominants, on est arrivé à une impasse, à un discrédit. Mais la couverture du New York Times continue comme avant, rien n'a changé. Et donc, pour que ça change, je pense que ça dépend de l'info indépendante. Je suis convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info. Il a déjà
perdu énormément dans les pays du Sud. Il n'y a plus personne en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui croit encore le discours de Netanyahou. En Europe, oui. Et donc, cette bataille, elle dépend de nous. Je suis vraiment convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info, mais pour ça, on va devoir produire plus, mieux, plus professionnel. On va devoir coordonner les différents groupes qui font des infos, qui ont des bonnes interviews, etc. On va devoir faire ça dans une forme de qualité qui pourra aussi toucher le public qui circule sur Internet, qui regarde les choses rapidement. Il faut que ce soit vraiment de bonne qualité. C'est un projet d'investigation en coordination avec le plus possible de partenaires. Et on va devoir diffuser ça beaucoup plus pour que vraiment on puisse, sur les réseaux, contredire le discours officiel. Les Palestiniens, ils se battent pas seulement pour eux. En fait, ils nous défendent, nous aussi. Les Palestiniens sont en train d'exposer au monde entier que les États-Unis et l'Europe ont des belles paroles, mais que dans la réalité, ils soutiennent des génocidaires qui tuent des femmes et des enfants et qu'ils continuent à les armer malgré les protestations. Mais si les Palestiniens gagnent, ça veut dire qu'ils vont nous aider à mettre fin à cette domination des États-Unis, les gendarmes, les maîtres du monde. Et donc, c'est vraiment un enjeu fondamental. Pour ça, je crois qu'on doit isoler les États-Unis et l'Europe, isoler ces dirigeants qui vendent des armes, qui massacrent des gens et qui aident Netanyahou. Et pour les isoler, j'insiste, la bataille de l'info, c'est la toute première. Donc c'est un appel que je vous lance. Participez au travail d'investigation sous toute une série de formes de Télé-Palestine. Soutenez, parce qu'on aurait besoin d'engager beaucoup plus de gens, et financièrement, avec tous les boycotts, les censures, c'est difficile, je ne vais pas le cacher. Donc, participez, soutenez. On a un projet qui, je crois, peut intéresser beaucoup de gens, c'est des ateliers de formation, comment parler d'Israël, comment parler des sujets difficiles pour convaincre les gens avec qui ça ne va pas et avec qui on va très vite à l'affrontement et à la dispute, et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, voilà, on a des projets. Parlez-en, je suis obligé de vous quitter et de prendre le prochain avion pour Bruxelles. Mais on a une équipe magnifique ici à Genève avec Philippe, Alison, Julie et toute une série d'autres que je remercie. Ils seront au stand avec les bouquins. Ils seront au stand aussi pour accueillir ceux qui veulent nous aider en devenant donateurs d'investigation et en nous aidant dans notre travail. Et je suis à la fois triste et heureux de voir qu'il y aura tellement de gens prêt à se battre pour la vérité, prêt à se battre pour la solidarité. Et je pense qu'avec vous, on pourra gagner cette bataille. Palestine vaincra. Merci. Merci à Michel Collomb pour son intervention. On pourra voir Ilan Pape qu'à partir de 19h en ligne. Donc je propose à M. Boussouma, si vous le souhaitez, d'intervenir. Vous avez une quinzaine de minutes. Bonsoir et très très heureux d'être là et merci de cette invitation à nos chers amis de Genève. Et je vois que la Suisse est au rendez-vous, c'est très bien. L'autre jour j'étais à Lausanne et je vois qu'il y a une grande ferveur militante en Suisse qui nous honore, moi qui viens de France. Ce pays où il y a tant de problèmes actuellement, vous en êtes peut-être informé. Ce pays où on pourchasse les sympathisants de la cause palestinienne comme jamais. Ce ne fut le cas dans l'histoire, mais vraiment, hein, comme jamais on aurait pu l'imaginer, il y a une répression absolument incroyable, où, hein, et nos amis ici de Génocide France pourront le confirmer, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement en France. Un tel unanimisme qui va de la droite, de la gauche à l'extrême droite, et à l'unique exception, on va le dire, vraiment de la France insoumise, du parti de la France insoumise, hein, qui montre un très très grand courage, il faut le dire. Et je tiens absolument, et on les félicite, je ne suis pas la France insoumise, hein, mais je tiens à le dire que jamais, et ça c'est la bonne nouvelle, jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y ait quand même un parti qui prenne à ce point position, on le voit tous les jours encore, avec des interdictions. Vous vous rendez compte que deux conférences de la France insoumise ont été purement et simplement interdites avec Mélenchon et la candidate palestinienne Rima Hassan à Lille, mais c'est absolument incroyable. Des gens sont convoqués par la brigade antiterroriste, Siam Azbag et bien d'autres encore, comme Anas Kazib, etc., sont convoqués simplement parce qu'ils ont exprimé leur soutien à la Palestine par la brigade antiterroriste. Attention, qui n'a que ça à faire, évidemment. Hein. Vous rendez bien compte qu'il n'y a pas d'autre danger actuellement que Siam Azbag, que Mélenchon. Mais c'est absolument incroyable.
Donc jamais on n'a connu cela. C'est l'impensé colonial français qui revient au devant de la scène. C'est un pensée colonial qui n'a jamais été combattu. C'est un pensée colonial qui est toujours à l'œuvre et qui n'est pas à l'œuvre uniquement que par rapport à la Palestine, mais qui est à l'œuvre depuis un certain temps, depuis ce grand renouveau de cette grande vague raciste qui a commencé à la moitié des années 2005, vers 2005-2006, avec la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. C'était le point de départ d'une grande offensive islamophobe, et c'est cette offensive islamophobe qui vient de rencontrer ce colonialisme sioniste, et donc les deux actuellement sont à l'œuvre, on fait synergie en quelque sorte, et on a cette incroyable vague raciste en France. Mais il faut le voir, je veux dire, avec les télévisions, etc. En tout cas, ce n'est pas grave, parce que cette crainte qu'ils ont, cette offensive qu'ils ont, elle est à la mesure de ce grand soutien que connaît la Palestine, qui n'a jamais été aussi important, pas uniquement en France, mais dans le monde entier, d'Indonésie au Chili, au Pérou. Regarde, tous les peuples aujourd'hui savent qui est l'opprimé, qui est l'oppresseur, qui est la juste cause, qui est où se trouve l'injustice. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, que jamais on n'aurait pu imaginer. Bon, petit retour, donc je suis militant de la cause palestinienne, j'étais au Parti des Ingénieurs de la République, maintenant cette histoire est terminée. Nous avons fondé autre chose qui s'appelle le QG des coloniales, et parole d'honneur avec un média. Nous sommes donc aussi un média et qui sommes complètement investis. Demain, il y a une grande manifestation à Paris contre les violences policières, contre le racisme, etc., qui heureusement avait d'abord été interdite par la préfecture de police, mais notre avocat a fait le bon travail. Et le tribunal a complètement infirmé l'interdiction. Donc la manifestation se déroulera demain à Paris, une grande manifestation, où il y aura entre autres la France Insoumise, il y aura des tas d'associations. Et évidemment, la cause antiraciste, la cause contre l'islamophobie, est totalement partie prenante du soutien à la Palestine, bien évidemment. Et quand on aime la Palestine, on aime aussi, évidemment, on aime la concorde, on aime la paix, et on est contre le racisme. Or, juste pour faire écho à ce que notre ami Jacques Beau, l'excellent Jacques Beau, et qui nous apprend beaucoup de choses, je tiens à le dire, et qui est un des rares qui a le courage aujourd'hui, eh bien de mettre, disons, le doigt sur le péché originel, comme on disait, c'est que, évidemment, non seulement la résolution de l'ONU, soi-disant qui portait création sur l'État d'Israël, n'a pas été respectée, mais en plus, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais vu un tel déni du droit international, mais c'est aussi la résolution d'admission d'Israël à l'ONU. Et peu de gens le savent, mais Israël est le seul État au monde à avoir été admis à l'ONU, donc au printemps 1949, avec trois clauses annulatoires qui n'ont jamais été respectées. Et ces clauses annulatoires, elles sont importantes, puisque c'était la France, la Turquie et les États-Unis qui étaient chargés du respect de ces trois clauses. Aucun autre État au monde n'a été admis. Ça veut dire que si Israël ne respectait pas ces trois clauses, Israël devrait être exclu de l'ONU. Et ça n'a jamais été fait, bien qu'Israël n'a jamais respecté. Ces trois clauses, c'était la création de l'État palestinien, simultané, comme ça a été dit. C'était évidemment l'internationalisation de Jérusalem. Et la troisième, c'est la 194, la résolution du droit au retour des réfugiés palestiniens. Et ça concerne un petit peu la Suisse, puisque cette résolution 194 du droit au retour des réfugiés palestiniens, elle a été initiée à la suite d'un rapport du comte Bernadotte, qui était le président de la Croix-Rouge internationale, et qui était l'envoyé spécial de l'ONU en Palestine, qui arrive en Palestine au printemps 48, et qui arrive étant sioniste. Il est sioniste, il pense que c'est une bonne chose, et il a complètement changé d'opinion au vu de ce qu'il va trouver en Palestine. Des villages entiers rasés, détruits, des foules de Palestiniens sur les bords de chemin que l'on pousse vers les frontières, qui sont mitraillés, qui sont bombardés. Et là, il va changer d'avis. Il va dire, certes, Israël, mais pas à ce prix. Et alors, il va dire une chose, il va dire, rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés. Rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés. Il va le payer de sa vie, il sera assassiné par un groupe sioniste, l'Irgun, enfin des dissidents de l'Irgun, le groupe Stern, et ces gens-là donc, vont l'assassiner. Il aura le temps de faire ce rapport. Ce rapport deviendra la résolution 194, mais Israël n'a jamais eu de sanction pour le seul cas d'assassinat d'un envoyé de l'ONU, d'accord, et qui plus est président de la Croix-Rouge internationale. Il avait à ses côtés le colonel Sirot, d'ailleurs, qui était un Français, et qui tenait à être à ses côtés. Drôle d'histoire, parce que le colonel Sirot venait remercier le comte Bernadotte
d'avoir sauvé, d'avoir sorti sa femme du camp de concentration où elle était. Sa femme avait été déportée. Donc c'est absolument incroyable, c'est terrible cette histoire. Et je le dis parce que ça concerne. Donc ce déni de justice totale en Palestine, jamais le droit international n'a été autant bafoué. Israël a foulé des pieds une centaine de résolutions de l'ONU, et plus d'une centaine. Mais dans tout cela, il y a le miracle palestinien. Ce miracle palestinien, c'est ce que nous appelions dans les années 80, lorsque nous militions déjà pour la Palestine et que nous subissions donc la répression à l'époque d'un certain monsieur François Mitterrand, grand colonialiste devant l'éternel. Et nous appelions ça la preuve par la Palestine. À chaque fois que nous avions affaire à des organisations politiques, etc., nous leur demandions « c'est quoi votre position sur la Palestine ?» Et donc nous avons appelé ça la preuve par la Palestine. Et c'est cette preuve par la Palestine qui rejaillit aujourd'hui de façon absolument incroyable. On voit que ceux qui sont aujourd'hui aux côtés du peuple palestinien sont ceux qui demain participeront à, à un monde beaucoup plus juste, à un monde beaucoup plus égalitaire, et on le voit bien, d'un bout à l'autre de la planète. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce miracle palestinien aujourd'hui, va emporter tous les fascismes, toutes les vieilles réactions, toutes ces vieilles classes politiques complètement pourries dont plus personne ne veut, aussi bien en France qu'ailleurs, que je pense, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Palestine nous indique le sens du monde de demain, et c'est pour ça que nous sommes aux côtés de la Palestine, d'accord, et que nous disons « Palestine vaincra ». Alors, merci pour votre intervention, M. Boussouma. On va maintenant pouvoir entendre Ilan Pappé, historien et politologue israélien, formé à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'Université de Oxford, qui enseignait à l'Université de Haïfa, puis à l'Université de Exeter. Directeur du Centre européen d'études sur la Palestine, il a publié de nombreux livres et articles critiques sur la guerre de 1948 et la politique de colonisation israélienne, sur la thématique des Juifs arabes ainsi que sur la propagande israélienne. Il est l'une des figures du mouvement des nouveaux historiens. Merci, M. Pappé, d'être avec nous. It's a great honor to be with all of you. I am sorry I cannot be physically with you, but I'm glad at least we are able to communicate via online. The topic I was asked to talk about is the chances for peace given the very dark moment that we are going through in the history of modern Palestine, which of course is not an easy topic to talk about because our efforts, our emotions, our sentiments are all directed as they should be directed towards stopping the genocide in Gaza, which is the most important thing. And although the level of Israeli operations is not the same as it was in the last 6 months, the killing continues also in the West Bank, and the starvation continues, and the lack of basic infrastructure for hospitals, schools, and families at large is still there. And we are facing, unfortunately, an imminent attack on Rafah. So this is not over yet, and our efforts towards doing whatever we can to pressure our governments, our international organization to stop these operations is still very acute, very urgent, and every day is too late in many ways. But it is also important to talk in a way on the day after. And I think that there are 2 days after, so to speak. There's a day after in the not so distant future, if we're looking towards a year or 2 years from now. And there, I'm afraid, whatever one can see from our vantage point today is not very promising. However, the Israelis would declare the
the end of the military operation that they have started 6 months ago, and given the fact that probably they will not be able to defeat the Hamas the way they wanted, or as they called it, to uproot the Hamas from Gaza, and given the fact that the international community would not change dramatically its position towards Israel, and without really knowing how the current conflict in the north of Israel between Hezbollah and Israel would unfold, given all these elements, it seems that the next year or two are a bit, would be the same as this year, if not worse in many respects. Unfortunately, it's a very dark prediction, a very pessimistic prediction, but I'm afraid it's a realistic one. So that's one day after. How exactly in that day after, the short term day after, so to speak, Israel would still be the power that be in the Gaza Strip. How, what would it do with Gaza? Also not that easy to predict, because there are two schools of thought within the Israeli government. One is led by the more messianic, fanatic, extreme elements of the government, who originally come from the Jewish settlements in the West Bank. And as far as they are concerned, this operation has to end with the return, as they call it, of Jewish settlers to the Gaza Strip, especially to the north of the Gaza Strip, and the ethnic cleansing of the Palestinians to the southern part of the Strip, and if possible, outside the Strip, to Egypt or to anywhere else in the world, if they can have their way and if anybody would collaborate with them. The more pragmatic camp within that government has a bit of a different vision for the day after. They would like to bring in the Palestinian Authority, or something similar to the Palestinian Authority, into the Gaza Strip to replace the Hamas as the regime in the Strip, and also to annex a certain part directly, especially that part which is close to the Jewish settlements that were attacked on the 7th of October, to annex that part to Israel so as to distance more those settlements from the Gaza Strip itself. And they hope that this operation would be supported both diplomatically and financially, not only by the United States and the West, but also by Arab countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and other Gulf states. As for the first scenario that the messianic fanatic Jews want to implement in Gaza, I think that this would not work, because the Palestinian resistance would continue. And even if for a moment or two this will succeed, I think that this would hopefully accelerate the process of which I will talk in a moment, by which maybe we will see in the longer run a fundamental change in the way the international community reacts to Israel's policies on the ground. As for the second scenario of bringing back the PA into the Gaza Strip and taking away some of the Gaza Strip and annexing it to Israel, I'm afraid they have the power to do it. I don't know if there will be members of the PA who would be willing to do this. This is not clear yet, but this is a more feasible scenario, not a good one, not a moral one, not a just one, and not one that would hold on for a long time. But we have to be ready that this is the kind of process
that the international community, and particularly the West, will support in the next year or two in Gaza. But if we look beyond the next year and the year after, which is very difficult if you are living in Gaza, if you are a refugee from Gaza, or even you live in the West Bank, but maybe it's the luxury of people like ourselves who are not suffering directly from that oppression, that we can have the ability and the space, more importantly than the ability, to think a little bit beyond the next year or the year after. And that vision, to my mind, is more optimistic from the point of view of the Palestinians, their aspirations for liberation, independence, for ending occupation, colonization, ethnic cleansing, and God forbid, another chapters of genocide. The reason I'm saying this is that in the long run, you can see processes that are happening inside Israel, in the Palestinian community, in the region, and in the world, that if they are moving in the way that I think they are moving, together, they can create a very different reality on the ground in Palestine. So let me point to some of these processes that make me more optimistic about the long-term future. And as I warned, I am afraid I have no good news for the next year or two. The first process is the one that is undergoing within the Israeli Jewish society, a process that already began before the 7th of October, one which has very little to do with the Palestinians themselves. It is much more linked to the inability of the Israeli Jewish society to find a common basis on which to define what does it mean to be a Jewish national community, or what does it mean to be part of Jewish nationalism in the 21st century. The difference between the view of the more religious, the more messianic, the more traditional Jews in Israel, and the view of the more secular, mostly people from a European origin Jews, the views are so different that the only thing that brings them together and creates some sort of a cement that keeps them together is the external danger, the fact that there is a common enemy, or that you believe that you have no choice but to work together, otherwise you will be extinct, destroyed, or defeated. But this is not a recipe for a long-term existence in the modern world. What we learned is that the way that these two camps see life in the future Jewish state is so different from one another that actually to implement their idea of how a Jewish state should look like, they have to impose it by force on the other side. And that's why we had these very violent clashes already before the 7th of October, and they are now resumed because relatively the action in Gaza from an Israeli perspective had decreased, and all these internal tensions have now erupted again and surfaced. And this kind of cold civil war continues, and I think will implode the Jewish society from within. Another process that we were aware of, mostly because of the 7th of October, but actually was already very clear in 2000, when Hezbollah was able to force Israel to withdraw from Lebanon, that the Israeli army is not invincible, does not always have the power to defend its own citizens, and that for the long run,
if a country wants to rely for its existence only on its military success, this is a horizon that it doesn't even matter if it is correct that Israel would always eventually come out with the upper hand in military confrontation, even if this is true, which I doubt anyway. But even if this is true, this is not something you can sell to your own population in the long run. People in 21st century don't want to think that the next 50 years are just years of bloodshed, violence, and war. And that creates an immigration in large number of people who can afford it, and lack of confidence in democracy, in politics, and you become more and more an army with a state rather than a state with an army. A third process is the inability of the government in such moments of crisis, as has been very clear in the last 6 months. And these moments of crisis, according to the Israelis' predictions themselves, would repeat themselves again and again. In these moments of crisis, the government or the state as a provider of services is not working. The only groups that were able to help the Israelis who had to leave the south of Israel and those who had to leave the north of Israel, who became internal refugees in their own state, the only groups that were effective were those who belonged to the civil society. Again, you can sustain such a behavior for a short term, but not in the long term. Another process is the economic situation. A future that entails one conflict after the other, that requires huge amount of money, of defense and for aggression, is not something that makes an economic system viable. And that would come at the expense of providing services to the society on the one hand, and as we already have seen, to a lot of investors from the outside to distance themselves from investing in a state that constantly provides insecurity in terms of financial investments. You can add to this, for instance, the inability or the unwillingness of most airlines today to fly to Israel. Another process which is important is the growing isolation of Israel in the world, including in the West and even in the United States. The Israeli newspaper Haaretz had two consecutive reports which were very interesting. One about the level of the academic boycott on Israel, and the other one on the level of the cultural boycott on Israel. And according to these reports in the newspaper Haaretz, both boycott campaigns have reached such a level that it seems that it is now widespread, effective, and really sends a very powerful message to the academic and cultural elites of Israel that if Israel would continue the way it does, they will not be welcomed anywhere apart from pariah states, other pariah states. This is not sanctions. This is not the kind of policies that help to bring down the apartheid regime in South Africa, but this is a very important development compared to where these campaigns were, let's say 15, 20 years ago when they began. This process can be also compared to another process, which is the change among the Jewish communities in their attitude towards Zionism. The younger Jewish generation, including in the United States, sees itself less and less a Zionist, less and less committed.
In the case of the young generation in the United States, it's even more than that. It's not just not showing interest anymore of being the lobby for Israel. It is being actively involved in the solidarity movement with the Palestinians. And many of these young Jews and non-Jews who are marching for Palestine in the United States may be in the future be in positions to influence policies as politicians, as business people, as academics, and so on. And this is an important process. Finally, I would add to this the changes within the Palestinian society, which are not easy to detect. Because if you look at the Palestinian political scene today, you don't see any promise for the future, to be honest. There is political disunity, fragmentation. One can understand the objective reasons for that situation, but one cannot deny its existence. But I think that we tend to forget how young the Palestinian society in general is. It is one of the youngest societies in the world. And the younger Palestinian generation is far more united in its vision. I think it's less affected by affiliations to political factions and parties. I think it has a much clearer vision for the future, for the liberation itself and how the country should look after the liberation and how to get to the liberation. It's still not an organized energy. It's a very strong energy, but it's not organized yet. And therefore, I think it's not heard enough and it's not influencing as yet Palestinian politics. But I think it will in the future. And this would be an important impact to have a clear United Palestinian statement of what the Palestinians want and how do they want to get there and what is their vision for the future. We're not there yet, but I do believe this is going to happen in the not in the near future, but in a more distant future. So if I take all these processes together, I see a situation by which we see the beginning of the end of the Zionist project in Palestine. I do not know, I'm not a prophet, when it will happen. I don't know exactly how it will happen, but I'm quite sure it will happen. And the question is, of course, what happens when this collapse that I'm talking about is taking place, however it will take place, because nobody can predict how it will take place. The problem is that it will create a void, a vacuum. And the question is, would in that historical moment the Palestinian national movement be ready to fill the vacuum? That would be very important to make sure that this negative process becomes a positive one. And another thing we should pay attention to is that these processes of collapse or disintegration or weakening can be very long and very dangerous, because the regime that is under the danger of disintegrating uses ruthless methods to keep it alive. And therefore, it's a very worrying period as well. But I do think it carries promise. There were other indications. I don't have time to go all to them. I will just mention them in a telegraphic way. I don't think the Americans would always be the dominant power, definitely not in the Middle East. It's good to look at other powers and their influence. I do think that the global societies can do more in influencing the governments, and maybe that would happen as well. But all in all, I think the more important indications are the one I have mentioned. This is something that, and with this I will end, this is not something that we should watch and wait for it to happen. For many of the processes I was talking about, we can contribute. We can be part of these processes. We are not onlookers. We are not innocent onlookers. We are part of these processes. And we should find a way of participating in making them positive and constructive processes rather than destructive ones.
Because the one thing, the history of decolonization in places like Africa and Southeast Asia teaches us that it doesn't always bring good news with it or better realities for the people who live there. So I think that's also very important to be part of it, each wherever they come from and whoever they are, and not to give up the hope that our accumulative hope efforts will not only hopefully end very soon the horrific situation in Gaza, and let us not forget the horrific situation in the West Bank as well, but also that we should have hope that even a more dramatic process of liberation and decolonization would happen in our lifetime, or at least in the lifetime of our children. Thank you very much. Après l'intervention du professeur Labbé, nous allons pouvoir entendre aussi Pierre Stamboul, qui est le porte-parole de l'Union française juive pour la paix. Bonsoir à toutes et à tous, et vraiment merci pour l'invitation. C'est un petit peu difficile de parler après l'extraordinaire démonstration d'Ilan Pappé, mais je vais quand même essayer. D'abord, une présentation. L'Union juive française pour la paix, nous existons depuis 30 ans maintenant. Au début, sur la position « pas de crime en notre nom », et puis très vite, les mots qu'il faut mettre sur la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien ont été clairs. Ces mots sont parfaitement définis dans le droit international. C'est crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide, et d'autres mots qui ne sont pas dans le vocabulaire international, mais qu'on comprend bien, régime suprémaciste, nettoyage ethnique. On a commencé à aller assez souvent en Palestine. Moi-même, j'ai été plusieurs fois en Palestine et deux fois à Gaza. Nous sommes une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes, comme le professeur Pappé, pas bien que juif, mais parce que juif. Et parce que pour nous, le sionisme, c'est bien sûr avant tout un crime contre le peuple palestinien. Mais pour nous, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire et à notre identité. Nous voulons les héritiers d'une période où la grande majorité des juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passer par l'émancipation de l'humanité. Et il faut dire les choses en face aujourd'hui, le sionisme a abouti au fascisme, et je vais un petit peu essayer de vous expliquer les mécanismes qui ont abouti à ça. Juste avant, un petit mot de présentation personnelle. Tout à l'heure, on a dit que moi-même je pouvais être traité d'antisémite. Ils hésitent quand même, en ce sens que je viens d'une famille émigrée communiste de Bessarabie, un pays qui n'existe plus, entre Moldavie et Ukraine. Ma mère qui était agent de liaison dans la MOI, le bras armé des étrangers du Parti communiste pendant la guerre, a été la seule survivante de sa famille. Et mon père a été le seul des 67 membres du groupe Manouchian, un des plus fameux groupes de la résistance française, arrêté et torturé par la police française en novembre 1943, à avoir survécu à la guerre. Il a été déporté à Buchenwald. Donc l'antisémitisme, je connais. Je vais un petit peu expliquer comment on en est arrivé là et déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Première idée, est-ce que les Juifs avaient une légitimité à venir s'installer en Palestine en masse avec le projet sioniste à la fin du 19e siècle? On leur a raconté une histoire fantastique qu'ils avaient connu 2000 ans d'exil et qu'après 2000 ans d'exil, ils rentraient chez eux. Cette histoire, historiquement, ne tient pas debout. Il y a de nombreux ouvrages qui en ont traité. Mais pour faire très court, vous voyez que je n'ai pas le type proche oriental. Les Juifs sont très majoritairement des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et les descendants des Judéens de l'Antiquité. Et tout à l'heure, Marie, en présentant les Samaritains, vous a donné aussi une indication. Ce sont très majoritairement les Palestiniens qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, et souvent les trois à la fois. Pendant plus d'un millénaire, la Palestine était
le gardien des lieux saints des trois religions monothéistes qui vivaient en bonne intelligence. C'est le sionisme qui tente toujours de rompre et de casser cette bonne entente. Quand bien même nous serions les descendants des Judéens de l'Antiquité, si tous les gens qui ont vécu, dont les ancêtres ont vécu quelque part il y a 2000 ans, disaient « je reviens à Yot-Toi de Lachmimet », on comprend bien que c'est la guerre généralisée partout. Donc cet argument est évidemment un argument fallacieux et un argument colonialiste. Deuxième idée, est-ce que cette guerre est une guerre religieuse? Elle est évidemment une guerre coloniale, et sur la religion juive, je dois dire des choses, même si je suis athée, je suis l'arrière-arrière-petit-fils du grand rabbin d'Odessa, mais ce n'était pas sexuellement transmissible, donc voilà, je ne suis pas croyant. Mais la religion juive, jusque dans les années 60, est très majoritairement une religion non territorialiste, c'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où, on n'a pas besoin de territoire pour ça. Même plus, pour les Haredim, pour les Juifs orthodoxes, il était interdit de retourner sur cette terre avant le retour du Messie. Et les Juifs étaient punis, ils étaient en exil, galoute en hébreu, tant que le Messie n'était pas arrivé. Et donc, les sionistes ont violé ce texte-là, ils ont utilisé la langue hébreu qui était un usage uniquement religieux, il y avait des langues juives, il y avait le ladino, il y avait le yiddish, le judéo-arabe, mais l'hébreu c'était uniquement un usage religieux. Le peuple élu c'était celui qui avait le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Et l'an prochain, Jérusalem, ça voulait dire « mes pensées vont vers Jérusalem, comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque ». Ça ne voulait pas dire « je vais à Jérusalem et je te vire et j'y crée un État ». Donc cette conception religieuse, Ilan Pappé en parle de messianisme, c'est un messianisme perverti qui est devenu majoritaire avec la conquête de la Cisjordanie en 1967. C'est la seule branche au début très minoritaire du judaïsme qui l'a emporté avec cette conception « Dieu a donné cette terre au peuple juif ». Mais historiquement, cette conception était tout à fait minoritaire et elle est encore très fortement contestée. On a un livre que j'ai amené, « Antisionisme, une histoire juive », où les premiers textes sont des textes de religieux qui, pour des raisons religieuses, expliquent en quoi le sionisme est un projet néfaste. Quand Theodor Herzl veut faire son premier congrès, non pas en Suisse à Bâle, mais il voulait le faire à Munich, ce sont les rabbins allemands quasi unanimes qui ont écrit une pétition contre la folie sioniste. Est-ce que le sionisme, c'est une réponse à l'antisémitisme? C'est une réponse, mais c'est la pire des réponses. On a, à la fin du 19e siècle, un antisémitisme qui est devenu hégémonique en Europe. Antisémite est un mot absurde, parce que les sémites, ça n'existe pas. C'est l'allemand Wilhelmar qui est un des premiers racialistes qui a inventé ce mot-là. Mais voilà, c'est l'époque du racialisme, c'est l'époque où l'Europe domine le monde et a créé les races inférieures qui sont le noir, l'arabe et l'indien la partie dominée du monde et qui vont être le juif et le tzigane en Europe. Et face à cet antisémitisme qui est très important, face au fait que 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe, les sionistes disent il n'y a qu'une seule solution à cette histoire-là, c'est la séparation. Donc vous ne comprenez pas le génocide qui est en cours actuellement à Gaza si vous n'avez pas dans la tête cette conception-là. Le sionisme est une théorie de la séparation qui a déclaré il y a plus de 120 ans que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Si vous voyez l'excellent film « Yalla Gaza » de Roland Nurier, un moment Sylvain Sipal, il explique bien ça. La mentalité majoritaire aujourd'hui en Israël, c'est que nous ne voulons pas vivre avec ces gens-là. Et l'idée, qui était évidemment complètement fausse, qui est de 1905 de Israël Zangwill, « Il faut pour les Juifs une terre sans peuple pour un peuple sans terre », bien évidemment, la Palestine était habitée. La Palestine, il y avait un peuple extrêmement développé. Et dès le départ, le sionisme était négationniste, j'emploie volontairement ce mot parce qu'il est chargé chez les juifs, négationniste de l'existence, de la dignité et des droits du peuple palestinien. Est-ce que le sionisme est un nationalisme? C'est un nationalisme, mais là aussi, les nationalismes européens qui naissent sur les ruines des grands empires à la fin du 19e siècle, il y avait quelque part des territoires où les Polonais, les Serbes, les Slovaques ou les Lituaniens étaient majoritaires. Il n'y avait aucun endroit dans le monde où les Juifs formaient plus de 10% de la population. Donc le nationalisme sioniste, il a créé le peuple, la langue et la terre, ça fait quand même beaucoup. Le peuple, parce qu'il y a des peuples juifs, mais c'est une notion religieuse, peuple juif, vous voyez, dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite, c'est une construction historique. Les langues, j'ai expliqué, il y avait des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu.
et la terre. Les juifs religieux n'avaient pas le droit d'y retourner, et les juifs laïcs se battaient pour la révolution et pour l'émancipation sur place, et donc ils n'étaient pas intéressés par la Palestine. Par contre, le sionisme a copié ce qu'il y avait absolument de pire dans les nationalismes européens, c'est la notion d'État ethniquement pur. Et vous comprenez bien que ce qui est en route aujourd'hui en Israël, et ce qui est en route depuis le début du projet sioniste, c'est un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes, c'est-à-dire l'État ethniquement pur. Cet État, ils l'ont eu un moment avec 80% de la population qui était juive entre 1948 et 1967, après le nettoyage ethnique de 1948. Avec la colonisation, on a aujourd'hui 7 millions de Palestiniens fragmentés et 7 millions de Juifs israéliens entre Méditerranée et Jourdain. Et leur notion d'État ethniquement pur, c'est très clair, c'est de faire une deuxième Nakba et c'est d'essayer d'en virer le maximum possible par la terreur, par la destruction ou par le crime. Le sionisme est un colonialisme, mais un colonialisme différent des colonialismes français en Algérie ou britanniques en Afrique. Ce n'est pas un colonialisme qui vise à exploiter l'indigène, c'est un colonialisme qui vise à l'expulser et à le remplacer. Et ceci depuis le début. Et vous devez comprendre que les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Donc Israël n'est pas une réponse au génocide nazi. Les institutions sionistes avaient prémédité l'expulsion des Palestiniens bien avant. Je donne des dates. La Banque coloniale juive, 1898. Le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, 1901. La Histadrut, le syndicat sioniste, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif et qui était interdit aux Palestiniens, 1920. La Haganah, créée par la Histadrut, 1920, l'ancêtre de Tsahal, la vaillante armée génocidaire. Et c'est la Histadrut qui va créer la compagnie des travaux publics Solal Bonnet, la compagnie des bus Eged, la compagnie Zim de navigation, la compagnie Mekorot des eaux, bref, toutes les compagnies, toutes les infrastructures qui vont faire que les sionistes auront un État bien avant la création officielle de l'État d'Israël, elles sont créées dans les années 1920-1930. On est bien avant la question du fascisme. Israël n'est pas une réponse au fascisme. C'est une conception fausse de penser ça. Y a-t-il une gauche sioniste? Je pourrais poser la question, y a-t-il une gauche de l'apartheid? C'est parce que le sionisme, c'est l'apartheid. Il se trouve que c'est le courant social-démocrate qui va devenir majoritaire dans le sionisme à partir de 1920 pour une raison simple. Il était impossible de coloniser la Palestine avec un colonialisme individuel. Il fallait un colonialisme collectif. Donc ça a été les kibbutz, qui, comme l'explique l'historien Shlomo Sand, étaient avant tout des instruments de conquête interdits aux Palestiniens. Et ça a été des structures strictement réservées aux Juifs qui vont être créées. Est-ce que les sionistes ont combattu l'antisémitisme? Ben, la réponse est non. Ils se sont, dès le départ, ils ont été les complices des antisémites avec une raison simple, c'est que sionistes et antisémites étaient d'accord sur l'essentiel, que les Juifs quittent l'Europe. Théodore Herzl ira voir tous les antisémites européens en leur disant « Votre but et le mien, c'est le même ». Et il ira voir... tard, mais déjà à son époque, mais c'est surtout après que ça aura des grosses conséquences, les chrétiens sionistes, qui sont des évangélistes anglo-saxons, dont la théorie religieuse est que les juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal à Armageddon, c'est-à-dire les Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ces antisémites existaient déjà il y a un siècle. Balfour, de la fameuse déclaration Balfour, était un chrétien sioniste. Aujourd'hui, ces chrétiens sionistes sont des dizaines de millions aux États-Unis. Ils font de la pluie et le beau temps. Et la raison principale du soutien états-unien inconditionnel à Israël, c'est un, qu'ils ont besoin d'Israël pour tenir le Proche-Orient, mais c'est deux, l'énorme force des chrétiens sionistes et le fait que cette extrême droite antisémite religieuse a les mêmes intérêts que l'extrême droite sioniste, c'est-à-dire coloniser un maximum. Est-ce que les sionistes ont combattu le fascisme ? Ben Gurion lui-même va signer en 1933 des accords avec les nazis qui viennent d'arriver au pouvoir, les accords de Havara, qui permettront l'émigration de 60 000 juifs allemands fortunés vers la Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance juive au nazisme, à laquelle mes parents ont participé, était essentiellement une résistance communiste ou bundiste, du nom d'un parti révolutionnaire juif d'Europe orientale.
Les sionistes n'y ont joué qu'un rôle confidentiel. Par contre, ils vont bénéficier à fond de la situation en 1945. Ne croyez surtout pas que c'est parce que l'Europe et les États-Unis se sentent coupables de l'antisémitisme qu'ils soutiennent Israël. S'ils s'étaient sentis coupables, ils auraient dit « les Juifs, on a déconné, 6 millions de morts maintenant, c'est l'égalité des droits pour vous ». La réponse à tous les survivants qui arrivaient du Yiddishland, d'Europe de l'Est, et qui cherchaient des visas pour l'Angleterre, les États-Unis, la France, ça a été « maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez ». Autrement dit, ayez bien dans la tête que la création de l'État d'Israël, c'est aussi l'Europe antisémite, après deux millénaires d'antijudaïsme chrétien, puis d'antisémitisme racial, qui se débarrasse de sa culpabilité sur le dos du peuple palestinien, qui n'avait pas le début d'une responsabilité dans cette affaire. Alors aujourd'hui, ce qui s'est créé en Israël, c'est un État d'apartheid. L'apartheid y a été depuis le début. Tout à l'heure, Jacques Beau rappelait la résolution 180 et la résolution 194. Et si vous lisez la déclaration d'indépendance d'Israël, c'est une déclaration d'apartheid. C'est-à-dire, ça dit que n'importe quel juif, n'importe où il se trouve, s'il est déclaré juif, il a automatiquement le droit de venir en Palestine et en Israël et d'y jouir pleinement de la citoyenneté. Et ça veut dire que les Palestiniens, dont on a expulsé 80% de la population, même ceux qui restent, sont des citoyens de seconde zone, parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils ont vécu sous couvre-feu jusqu'en 1966, qu'on leur a volé l'essentiel des terres, qu'ils possédaient 92% de la terre palestinienne avant 1948 et qu'ils n'en possèdent plus que 8% après et 3% aujourd'hui. Donc la situation d'apartheid dans cette société-là n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intrinsèque qui dure depuis 1948. Comme je ne veux pas être trop long, je vais terminer quand même sur où on en est maintenant. D'abord, je veux parler de Gaza parce que, bon, sauf au Berlin, qui y a été de très nombreuses fois, on parlera mieux que moi. Moi, j'y ai été deux fois et c'est bouleversant, on ne sort pas indemne de Gaza. L'Union juive française pour la paix, depuis 2016, on anime des projets de soutien à la société de Gaza, spécifiquement aux paysans, un petit peu aux pêcheurs et un petit peu à une association qui s'appelle Ibn Sina, c'est à Vicennes. Les paysans, depuis 2016, tous les paysans du sud-est de la bande de Gaza, autour de leur organisation traditionnelle, avec les Mokhtars et avec un correspondant extraordinaire qu'on a trouvé là-bas, on a réussi à réaliser un château d'eau énorme de 17 mètres de haut, qui a été notre emblème, qui a été abattu par les Israéliens le 7 février dernier. On a sorti un communiqué, la destruction du château d'eau de Rouza, un acte antisémite. Et on a construit des canalisations, c'est eux qui ont construit, mais la solidarité qu'on a choisie, c'est eux qui décidaient de tous les projets, entre eux, qui en discutaient longuement. Et nous, on essayait de voir comment financièrement et au niveau de la popularisation, on pouvait faire. Il y a eu des canalisations, il y a eu une maison des paysans, ils voulaient être indépendants des partis, ils ont appelé ça UGFP Headquarters, hein, le quartier général UGFP, les ministres du Hamas venaient au quartier général UGFP pour discuter avec les paysans. On a construit avec l'association humanitaire qui est actuellement menacée de dissolution en France, une pépinière solidaire. La veille du 7 octobre, 1000 exploitations agricoles utilisaient la pépinière solidaire qui permettait de passer des semences au plan. On était en train de projeter un passage à l'agroécologie à Gaza parce qu'ils empoisonnent les terres avec des pesticides quand ils voient les ravageurs. Et donc petit à petit, on voulait changer. On avait acheté une voiture, ils avaient écrit en énorme sur la voiture « Union juive française pour la paix » comme ils l'avaient mis en haut du château d'eau. Donc par rapport à tous les gens qui disent que les Palestiniens sont antisémites, dites quand même que depuis 8 ans, il y avait une voiture à Gaza qui circulait avec Union juive française pour la paix partout et qui était reconnue comme ça. Et depuis le 7 octobre, toutes nos équipes, ceux qui ne sont pas morts, parce qu'on a pas mal de morts parmi nos proches, ont continué avec l'argent qu'on arrive à envoyer. Ils organisent des cantines collectives, des distributions de tentes. Ils ont pu reloger les 2000 paysans et leurs familles qui ont été bombardés dans l'usine de l'UNRWA où ils s'étaient réfugiés. Voilà, la solidarité pour nous, ça a un sens. Aujourd'hui, la question palestinienne, elle est centrale. Que nous disent les Palestiniens? L'issue de cette guerre dépend de deux choses. Elle dépend de notre capacité à nous, Palestiniens, de continuer à faire société. Je voudrais être aussi optimiste que Ilan. On a senti même à Gaza des débuts de désagrégation de la société.
Mais de ce que je sais, de ce qu'on a jour par jour, de ce qu'on reçoit, ça, le tissu social qui est assez extraordinaire, parce que Gaza est une société pluraliste, est une société super éduquée, est une société où les gens mettent toute leur énergie pour que leur société ne s'écroule pas. Pour l'instant, ça tient. Dans les pires circonstances, pour l'instant, ça tient. On a un effort incroyable à faire pour que ça tienne. Donc, toutes les formes d'aide actuellement à la survie des Gazaouis, c'est utile. Et l'autre combat, il se joue ici. C'est-à-dire que tout ce crime, ce génocide continue à cause de nos gouvernements complices. Donc on a une action extrêmement importante à faire d'information, de déconstruction du discours des massacreurs. Nous, en tant que Juifs, on a un discours énorme de dire que les Israéliens ne détruisent pas seulement la population palestinienne, ils détruisent le judaïsme, ils détruisent la mémoire du génocide qui est notre histoire intime, la mémoire de l'antisémitisme, ils détruisent le droit international. Et donc on a à convaincre absolument, j'espère que si vous êtes aussi nombreux dans cette salle, vous en êtes convaincus, que défendre la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est défendre nos droits à nous, c'est défendre le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et je terminerai là-dessus, il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits, ni là-bas, ni ici. Bonjour, j'ai une quinzaine de minutes pour m'exprimer devant vous, j'en suis très heureux. Comme ça a été dit, j'ai eu la chance, parce que c'est un privilège, de me rendre très souvent à Gaza, une cinquantaine de fois, et d'écrire un certain nombre de bouquins de témoignages. C'est ma façon de témoigner, c'est de prendre la plume quand je reviens. Et je devais, c'est le hasard des circonstances, je devais partir exactement le 7 octobre pour ma mission triannuelle ou trois fois par an. Et donc, nous ne sommes pas partis. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider un petit peu la cause, comme beaucoup de gens autour de cette tribune, et Ilan Pappé aussi. Je me suis posé la question du jour d'après. Et recevant une avalanche d'invitations pour aller parler de Gaza, puisque tout se passait, semble-t-il, à Gaza, j'ai entrepris mon tour de France, de Belgique et de Suisse, en me disant, le jour d'après, eh bien, le risque c'est de se retrouver comme le jour d'avant, mais en pire, c'est-à-dire avec des destructions colossales et aucune issue politique qui permettrait aux Palestiniens, pour la première fois dans leur histoire, de faire entendre leur voix, pas pour la première fois, mais presque, en tout cas pour la première fois depuis 16 ans, puisque ça fait 16 ou 17 ans que le droit de vote est refusé aux Palestiniens. Alors j'ai entrepris cette tournée en me disant, je vais avoir devant moi un public, si ce n'est convaincu, du moins soutenant très fort la cause palestinienne, mais avec clairement deux types de populations, pour être très schématique, ceux qui soutiennent la Palestine, ceux qui parlent arabe, ceux qui sont de culture ou de confession musulmane, et puis les autres. Et parmi les autres, eh bien, il y a ceux qui sont sur la même ligne exactement, et puis ceux qui ont des arrière-pensées politiques sur le thème « Non, nous sommes pas pour la laïcité », c'est qu'un mot qui est encore prononcé, un État laïque, l'absence de la sécularisation, enfin tous ces termes que vous connaissez. Et je me dis, je vais m'adresser à ces populations. Et j'ai fait une trentaine de conférences consacrées exclusivement ou presque à la présentation du Hamas. Et ce Hamas dont il faut bien tenir compte, puisque il représente électoralement, probablement, je dis probablement, mais ce sont aux Palestiniens d'en décider, la majorité de la population, la majorité de l'électorat. Il est important de savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, car c'est quelque chose que l'on voit très rarement dans les médias, qui est même quasiment pas du tout, et même dans le milieu pro-palestinien. Et quand j'ai commencé ma série de conférences, eh bien, sur une trentaine, au bout de cinq minutes, j'ai vu un certain nombre de personnes sortir de la salle. Pas beaucoup, vous voyez, quelques-unes, mais c'était quand même assez significatif. C'est-à-dire, certains étaient venus en disant « c'est pour entendre parler d'un soutien au Hamas. Nous, on n'y croit pas, on n'est pas venu pour ça, enfin que sais-je, il faudrait leur poser la question. » Mais j'ai bien senti qu'il y avait une partie de la population soutenant la Palestine qui restait à convaincre sur ce point.
J'ai été assez relativement rassuré, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'archéo-communistes qui sont venus me voir avant. C'est vrai ce que vous avez dit, au fond, dans le fond, c'est vrai. On n'avait pas pensé à ça, on ne vous l'avait pas dit. Bon. Alors, je ne vais pas recommencer cette conférence que j'ai déjà faite devant vous, puisque je reconnais pas mal de visages connus, qui sont des gens de Genève, qui sont des gens de Thonon, qui sont des gens de Lausanne. Donc, j'ai choisi de vous parler de tout à fait autre chose. Alors, je vais vous parler de choses qui sont récentes, qui sont peut-être un peu anecdotiques, mais je suis assez friand des anecdotes significatives. Eh bien, la première, c'est que j'ai passé 15 jours à Gaza, ces jours-ci, la deuxième quinzaine de mars. Alors, vous allez vous demander pourquoi avoir attendu le 15 mars. Ben, j'ai attendu tout d'abord que l'on puisse entrer. Et moi, quand je vais là-bas, je tiens absolument, en dehors des gens que je rencontre, je tiens absolument à remplir mon travail de chirurgien, qui est un chirurgien très spécialisé, pas du tout limité à la main, comme on me présente bien souvent, parce que ça doit être écrit quelque part. Mais je suis spécialisé dans les séquelles de gros traumatismes des membres, de gros délabrements du membre supérieur, du membre inférieur, les paralysies. Et pour vous donner une idée, pendant ces 15 jours à Gaza où j'ai travaillé, et ça va vous surprendre, dans d'excellentes conditions, eh bien, j'ai opéré 45 patients et j'ai dû faire une amputation. Et tous les autres patients, eh bien, c'était des patients auxquels on a quand même permis de conserver un membre, un bras ou une jambe. Voilà. Donc c'est cette chirurgie-là exclusivement que je fais depuis une vingtaine d'années à Gaza. Alors, non, mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas du tout ça. Donc j'ai attendu pour trouver, je dirais, un vecteur. Vous savez, on parle dans les maladies des virus vecteurs, à qui s'accrocher pour entrer. Donc j'ai attendu de trouver une association qui, par des connexions qui pour moi sont totalement inimaginables, arrive à la fois à franchir le barrage égyptien et le barrage israélien. Et puis la deuxième chose, c'était, je veux être sûr de pouvoir travailler. Si c'est pour arriver, je voyais comme vous toutes les images que l'on recevait, on voyait des enfants mourir par terre sur le carrelage. Je me dis, si c'est pour faire ça, moi je n'apporterai rien, c'est pas mon truc. Et donc j'ai attendu d'avoir le témoignage direct de vrais chirurgiens, orthopédistes, spécialisés dans les membres, puisque vous savez que la puissance des bombes là-bas vient tue deux fois plus que au cours des précédents conflits. Et donc ceux qui survivent, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas d'atteinte du tronc ou du crâne, mais ceux qui ont des atteintes seulement, entre guillemets, des membres. Donc il y a une très forte exigence en chirurgie orthopédique, très spécialisée, pas du tout celle que les orthopédistes lambda pratiquent dans les pays du monde. Une chirurgie tout à fait différente avec, à la fois, on appelle ça orthoplastique, hein, des problèmes de tissu mou, de parties molles, de fractures ouvertes. Etc. Et donc j'ai attendu quelques temps et j'ai fini par avoir au téléphone un chirurgien français, d'ailleurs d'origine gazaoui, qui travaille en France et qui m'a donné le détail de ce qu'il a pu faire. Et donc je me suis dit, là c'est vrai, je vais pouvoir travailler, allons-y. Donc c'est pour ça que j'ai attendu le mois de mars pour pouvoir aller là-bas. Alors j'ai travaillé pendant 15 jours à l'hôpital européen de Gaza, donc qui est à 15 minutes de la frontière égyptienne, qui est le deuxième hôpital de la bande de Gaza, dans lequel j'ai l'habitude de travailler depuis des années, puisqu'à chaque fois que nous y allons, nous passons la moitié du temps à Shifa, que tout le monde connaît, et la moitié du temps à l'hôpital européen. Autrement dit, je connaissais personnellement les infirmiers, les infirmières de bloc, les anesthésistes, les chirurgiens locaux d'ailleurs, dont deux sont nos anciens élèves, qu'on a diplômés, qui ont eu nos diplômes d'université, de Paris, université exportée là-bas, donc dans un milieu que je connaissais très très bien. Et de ce point de vue-là, ça s'est passé, je dirais, comme d'habitude. D'ailleurs, quand on fait des comptes rendus opératoires depuis 20 ans, il y a la liste des interventions faites, les noms des patients, des vrais dossiers médicaux sérieux. On peut les contrôler, faire des révisions. On a fait exactement la même chirurgie que d'habitude et dans les mêmes conditions, qui sont de bonnes conditions. C'est-à-dire que l'acheminement, et je parle uniquement de l'hôpital européen, il y a 35 hôpitaux dans la bande de Gaza, mais en tout cas, l'acheminement du matériel pour la chirurgie qu'on avait à faire était suffisant, pour l'anesthésie aussi, et on a travaillé dans de très bonnes conditions, d'autant plus que le personnel était connu. Alors ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, je dirais, c'est que lorsqu'on va dans un hôpital et que l'on loge dans le logement des infirmières, de l'école d'infirmières,
et qu'on traverse la cour pour aller au bloc opératoire, on est certainement dans l'endroit du monde le moins bien placé pour parler de ce qui se passe réellement sur place. Et vous êtes tous derrière votre téléphone, votre écran, beaucoup plus au courant de ce qui s'est passé à Gaza et en Palestine que moi, entre ma salle d'opération et mon matelas, voyez. Donc, je me méfie beaucoup de ces témoignages d'humanitaires, entre guillemets, c'est un terme qui me gêne toujours, de ces témoignages d'humanitaires occidentaux qui reviennent et qui seraient finalement la voix qui permet aux Palestiniens de s'exprimer, qui seraient les véritables témoins de l'horreur qui s'y passe, alors que l'horreur qui s'y passe, on l'a sur notre téléphone à chaque minute et à chaque seconde, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui me gêne terriblement que l'on accorde plus de poids à une espèce de kidam, à un touriste qui va là-bas filmer l'horreur, faire des selfies. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et je dois dire que la partie israélienne, m'a-t-on dit, accepte 20 médecins et chirurgiens par groupe de 20, un groupe tous les 15 jours, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Ben sur les 20, je suis parti avec un autre chirurgien, qui est le docteur, je n'aurai pas son nom, mais qui est un chirurgien anglais qui vit avec nous depuis 15 ans, et puis Christophe de Nantes, anesthésiste, qui vient depuis 22 ans avec moi. Eh bien, en dehors de nous trois, il y avait donc 17 ou 18 personnes qui venaient un peu des quatre coins du monde, avec certains qui avaient de très bonnes spécialités et qui ont fait un très bon boulot. Par exemple, les urgentistes arabisants, américains, mais arabisants, ont fait un très bon travail. Donc je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de les équipes, mais il y avait un certain nombre de touristes qui avaient le sac à dos et puis l'appareil photo, plutôt le téléphone portable, et qui faisaient du tourisme chirurgical en communiquant beaucoup. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, face à la misère, aux patients, aux blessés, aux mourants, quelque chose qui me gêne énormément. Et ça, c'est le mauvais côté, hein, le côté Far West des ONG. Mon ami Bassem Naïm, qui a été 10 ans ministre de la Santé, hein, qui est un ami de très longue date, je le connais très, très, très bien. J'ai passé des dizaines, peut-être des centaines d'heures à discuter avec lui depuis 15 ans. Eh bien, il me racontait une fois, quand je suis arrivé pour la première fois au ministère de la Santé, j'ai commencé à ouvrir le dossier des ONG médicales qui venaient travailler chez nous. Et j'ai été effaré, dit Bassem Naïm, véritablement, pour les humanitaires, Gaza is a target. Gaza est une cible. Voilà. Et il prenait l'exemple, par exemple, du soutien psychologique. Je me souviens qu'il me disait, j'ai trouvé 100 associations qui faisaient du soutien psychologique. Il y en avait 6 en tout et pour tout, dont les participants possédaient les diplômes et les formations et les qualifications pour le faire. Et encore, s'ils ne parlaient pas arabe, en plus, eh bien, ce n'était certainement pas quelque chose de très efficace. Donc, j'ai vu vraiment ce mauvais côté de la médecine humanitaire et qui s'est complété par une espèce, et là encore, l'analogie avec le Far West est assez flagrante, eh bien, il y a toute une série d'hôpitaux de campagne, et quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est Abdel Jalil, a dit qu'il y avait la représentante des Émirats arabes qui était là, je la salue, mais je voudrais dire quand même que ces hôpitaux de campagne avec des étiquettes, il y a l'hôpital émirati, il y a l'hôpital américain, il y en a encore un ou deux autres, eh bien, ils vont s'installer finalement dans la campagne, comme on dit, alors que moi, j'étais dans un bloc opératoire où il y avait suffisamment de salles d'opération pour travailler deux, voire trois fois plus si on avait organisé, eh bien, un certain roulement. Et ces hôpitaux de campagne, eh bien, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent certes avec des équipes d'humanitaro-touristes qui viennent d'un peu partout, mais ils fonctionnent aussi essentiellement avec du personnel gazaoui. Et on peut comprendre ce personnel, si vous êtes un infirmier, un anesthésiste, un chirurgien, eh bien, si on vous dit, si vous venez travailler à l'hôpital émirati, vous aurez un salaire, c'est normal. Voilà. Et donc, il y a un effet de siphonnage du personnel palestinien par ces hôpitaux de campagne qui est tout à fait désagréable et qui laisse à penser finalement que la seule bonne médecine est faite à l'extérieur sous une tente à condition qu'il y ait une croix rouge dessus ou un croissant ou quelque chose, que sais-je. Et ça, cette façon de planter son drapeau humanitaire dans le sud de la bande de Gaza est quelque chose qui est tout à fait discutable.
Et c'est pour ça, lorsque je vois des projets mirifiques qui représentent, on m'a soumis il n'y a pas longtemps pour avis consultatif, merci, un projet d'un 1 800 000 francs, euros, pardon, c'est la même chose ou presque. Voilà, ce projet était complètement délirant. Et surtout, eh bien, ce n'est pas dans l'intérêt, même sur le plan strictement médical, parce que à l'hôpital européen, à moins qu'il soit bombardé et entièrement détruit demain, eh bien, vous avez toutes les capacités d'accueil en urgence, et notamment les examens complémentaires, les radios, les IRM, les scanners qui peuvent être nécessaires et qui sont particulièrement utiles, en particulier dans les lésions abdominales et ou thoraciques, où on va poser une indication opératoire véritablement sur un scanner. Donc, prudence, et ça, je dirais que ça a été la déception, je n'en attendais pas trop, mais ça a été quand même quelque chose à noter. J'ai noté également, ça fait partie, pour ceux qui suivent les petits signes, eh bien, du déménagement de l'hôpital américain, l'hôpital de campagne américain, pendant que j'y étais, eh bien, a déménagé pour aller s'installer dans la petite enclave de Mahwassi. C'est un tout petit point en bas et à gauche de la carte, au coin entre la mer et la frontière égyptienne. Vous voyez, complètement à l'écart. Et ça, véritablement, ça donne le frisson quand l'hôpital américain se tire à Mahwassi. Eh bien, ça veut dire que peut-être l'offensive va avoir lieu sur Rafah. Et je dirais même que je ne serais pas étonné qu'un jour les historiens eh bien, nous signalent que l'offensive sur Rafah n'a pas du tout commencé dans la fin du mois d'avril, a commencé bien avant. Moi, je peux vous le dire, je l'ai caché à mes correspondants pendant mon séjour, mais les bombardements n'ont pas cessé pendant toute la journée et parfois extrêmement près. Mon voisin de paillasse, j'allais dire, puisque nous étions cinq matelas l'un à côté de l'autre dans la chambre où nous dormions, eh bien, c'est un anesthésiste allemand d'origine palestinienne, arabisant, mais formé en Allemagne, travaillant en Allemagne, qui est venu en Allemagne pour travailler pendant quelques temps, rien que pendant le séjour où nous étions, alors qu'il avait perdu son père par un tir de sniper 2 mois avant, eh bien, a eu plusieurs personnes de sa famille qui ont été tuées, m'a-t-il dit, à 2 minutes d'ici, vous voyez, à 2 minutes de l'endroit où nous dormions. Autrement dit, les tirs étaient extrêmement proches. Nous étions une espèce de melting pot avec notamment des chirurgiens palestiniens qui avaient migré depuis le nord de Gaza, comme toute la population, qui parfois en étaient à leur deuxième ou troisième installation et qui continuaient à travailler. Et ils reconnaissaient au bruit des bombardements le type des armes utilisées. Par exemple, quand vous avez tata, 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 vous voyez, 3-4 fois de suite, un double détonation, ça veut dire qu'on est en train d'aligner une rue et ça se passe en plein jour, à l'heure de l'iftar, vous voyez, ça veut dire qu'on est en train de bombarder toute une rue en longitudinale. Et je me souviens d'un chirurgien plasticien palestinien, Abou Soultan, qui était en face de moi, qui me disait « Oh ben ça, c'est rien par rapport à ce que c'était à Gaza, autour de Shifa, parce qu'à Shifa, ils ont détruit effectivement toutes les rues. » Voilà. Autrement dit, ce n'était pas de la rigolade, ce que vivent les Palestiniens à ce moment-là. Moi, j'ai vu de mes yeux vus un camion benne rempli de cadavres, rempli, une benne remplie, vous voyez, jusqu'à cette hauteur-là. Ceux qui les avaient chargés dans la benne étaient debout sur les cadavres, en train de s'accrocher aux rambardes, aux ridelles, vous voyez, entrer à 11h du matin dans l'hôpital de Rafah, qui est un énorme camp de réfugiés, parce que le camp de réfugiés de Rafah, c'est toutes les surfaces horizontales, tous les jardins, tous les espaces publics, c'est tout l'intérieur de l'hôpital, toutes les cours où vous avez toute la société palestinienne qui est là, avec, je dirais, pas les cireurs de chaussures, mais en tout cas les machines à coudre, les petits marchands ambulants, les réparateurs de ceci ou de cela. Et cette population, elle entre même à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que pour aller de l'école d'infirmières au bloc opératoire, on passe dans la cour comme on passerait ici entre 2 rangées de personnes. On salue tout le monde. Ah, bonjour, d'ailleurs, je me souviens quelqu'un qui dormait par terre dans les escaliers qu'on voyait tous les matins, qu'on passait sans faire de bruit pour ne pas le réveiller. Il s'est réveillé, il nous a parlé en français. Il était parfaitement francophone et une conversation s'installe. Vous voyez, donc il y a une ambiance tout à fait particulière qui est d'ailleurs à peu près celle que je ressens en ce moment, c'est-à-dire que plein de monde,
énormément de monde. Dans les couloirs, sur les deux côtés, vous avez des rangées de familles avec juste un petit rideau qu'on baisse pendant la nuit et qu'on lève dans la journée. Et tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Personne ne fait de bruit. Le matin, on franchit la foule en marchant doucement pour ne réveiller personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très impressionnant. Je dirais que c'est la chose la plus importante que j'ai retenue de ce passage. C'est justement, il ne s'agit pas, les mots sont difficiles à trouver, il ne s'agit pas de résignation, bien entendu. Ce calme, il ne peut être que quelque chose d'imposé, de contrôlé. Mais en même temps, ça montre une détermination. Vous voyez, ce ne sont pas des gens qui mendient, qui n'ont qu'une idée, c'est de partir. Bien entendu, beaucoup le feraient sans doute s'ils en avaient la possibilité, mais cette possibilité n'existe pas. Autrement dit, il suffit d'aller faire un tour dans la cour ou dans l'hôpital européen pour être convaincu que les 2 millions de Palestiniens qui sont là y resteront, même si on leur ouvre les portes, ce qui ne sera certainement pas le cas. Autrement dit, on a là une certitude, une confortation, même sans parler à toutes ces personnes, que la situation actuelle est une situation où ils s'accrocheront à leur territoire et quelles qu'en soient les conséquences. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir à quel point ils ne parlent pas de l'avenir, ils ne font pas de projets, ils ne sont pas arrivés aux écrans de télévision. Ils vivent au jour le jour en s'arrangeant le mieux possible, dans le plus grand calme. Et ça, c'est un message vraiment très, très intéressant à recevoir. Alors, le deuxième chose dont je vais vous parler, c'est à mon retour, il se trouve qu'un de mes camarades médecins, enfin, que je connais de loin, mais quelqu'un de très bien, hein, mais que je ne connais pas plus que ça, m'a dit, écoute, ça faisait un mois qu'il essayait d'avoir un rendez-vous avec le président de la République, vous vous rendez compte, monsieur Macron, à un moment donné, je me suis dit, un mythomane, mais enfin bon. Et puis, jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, j'ai pas un rendez-vous avec Macron, mais j'ai un rendez-vous, j'hésite un peu à vous dire d'ailleurs qui, mais ça se passait quand même au plus haut niveau et à l'Élysée. Vous voyez, si on m'avait dit un jour qu'on allait me convoquer à l'Élysée, je ne l'aurais jamais cru. Bon, ça s'est passé quand même. Donc, je suis arrivé à l'Élysée, je me suis dit, au dernier moment, ils vont voir mon nom et puis ils vont annuler le rendez-vous parce que c'est pas possible. Eh bien, si, c'était là, et j'arrive, je dis à la personne, merci, c'est gentil de nous recevoir, combien de temps avez-vous? Le temps que vous voulez. Alors là, j'en croyais pas mes oreilles. Donc, j'avais cette personne en face de moi. Au niveau, j'avais regardé son pédigré sur Wikipédia, consul dans des grands pays, ambassadrice, arabisante, une bretonne, je me suis dit, là, on va avoir affaire à quelqu'un de très professionnel, conseillère, enfin, je vous donne trop de détails, hein, là, je vais me griller, conseillère, et voilà que nous entamons notre conversation, et je me rends compte, en bout de quelques minutes, que son rôle n'est pas celui d'une conseillère, c'était celui d'une porte-parole. Et donc, nous avons eu droit, mon camarade et moi, au défilé de toutes les lignes qui sont données du plus haut sommet. C'était pas très loin d'ailleurs de son bureau, d'ailleurs elle nous en a fait un compte rendu le lendemain, vous voyez, sur ce que la France entendait faire ou ne pas faire, soutenir ou ne pas soutenir. Et là je dois dire que bon, je n'attendais rien bien entendu de ce genre de réunion, mais je m'attendais quand même à quelques questions, vous voyez, c'est, dans un dialogue c'est bien, on est deux, on peut bénéficier peut-être de quelques informations de l'autre, vous voyez, bon. Donc je n'ai pas été déçu. Et j'ai résumé très vite les différents points qui ont été abordés. Et je veux dire que ça, si ce sujet n'était pas dramatique, il y avait vraiment de quoi en rire, parce que à chaque fois que j'entendais quelque chose qui m'accrochait l'oreille et qui va vous accrocher les oreilles, parce que c'est listé, vous voyez, c'est écrit là, eh bien je me tournais vers mon camarade médecin, qui n'était censé ne rien connaître à la géopolitique, au droit, à l'histoire de la Palestine ou au Hamas. Et je lui répondais ce qui était en fait adressé à la personne en face, mais qui, elle, était censée connaître parfaitement tout ce dont je parlais. Assez vite, d'ailleurs, elle a pris la couleur du pull rouge de madame. Elle est devenue pivoine et l'ambiance est devenue électrique, mais on a bien parlé. Alors, je vous résume, ce n'est pas très intéressant, mais c'est assez significatif quand même.
Alors, la phraséologie, vous voyez, on était quand même, j'ai noté la date, le 4 avril, vous voyez, on n'était pas le 8 octobre. La phraséologie, le massacre du 7 octobre. Bon, massacre, ça n'existe pas en droit international, disais-je à mon ami. Hein, il y a des crimes de guerre, mais massacre, c'est une opinion. Alors, elle a commencé à rosir un petit peu, à s'énerver. Israël a le droit de se défendre. Eh oui, Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire que j'avais en face de moi quelqu'un qui conseille le président Macron et qui ignorait manifestement, ou qui n'ignorait pas, mais voulait effacer la décision de la Cour internationale de 2004 concernant le mur, dont les attendus disaient qu'en aucun cas, eh bien, on se défend en attaquant en dehors de son territoire de manière militaire ou en construisant un mur. Et encore plus, et ça a d'ailleurs été repris par la Cour internationale de justice, eh bien, en éradiquant la bande de Gaza. Ça, ce n'est pas le droit de se défendre. Voilà. Bon, donc, on était étonnés d'entendre encore cette espèce de mantra. Vous voyez, je suis obligé de regarder mes notes parce que, franchement... Alors, une chose très importante... Oui, alors la guerre, c'est la guerre contre le Hamas. Et là encore... La Cour internationale de justice, dans son arrêt, n'a pas du tout utilisé cette phraséologie. Il a dit la guerre d'Israël contre des groupes armés palestiniens. Ouais. Voilà, des groupes armés et certainement pas terroristes, car le mot terroriste, je le rappelais à mon camarade, n'existe pas en droit international. Et il hochait la tête, vous voyez, comme Pierre en ce moment. Donc, et je voyais la tension monter de l'autre côté. Alors, après, il y a eu quelque chose de plus subtil, vous voyez. Et ça, je l'avais remarqué dans les commentaires, ou plutôt dans la contribution de la France à la Cour internationale de justice, tout se passe comme si, eh bien, on essayait de faire croire aux Français, en tout cas, que le droit humanitaire, ça serait une espèce de corridor humanitaire pour permettre aux gens de boire, de manger, de se soigner. Mais ce n'est pas ça du tout. Le droit humanitaire international, c'est le droit de la guerre. Et ce n'est pas... Et en temps de guerre, ça concerne tous les aspects du conflit, pas simplement permettre aux populations civiles, entre guillemets, de boire et de manger. Donc, quand la France déclare à la Cour internationale de justice qu'elle est pour le droit humanitaire et qu'elle soutient l'application du droit international, c'est complètement contradictoire, car la France ne soutient pas l'application du droit international. À partir du moment où le plus haut niveau, au niveau de la décision concernant la Convention internationale pour la prévention du génocide. Le plus haut niveau a été décrété, le plus haut niveau de sécurité, de demande a été décrété. Eh bien, tous ceux qui sont des complices, qui ne condamnent pas ceux qui participent, ceux qui alimentent, ceux qui arment, etc., sont des complices de la puissance génocidaire et donc se situe en dehors du droit humanitaire international. Donc la France est clairement juridiquement en dehors du droit humanitaire international, et ce qu'a très bien compris d'ailleurs le petit État Nicaragua qui a attaqué l'Allemagne sur ce thème. Et de ce point de vue-là, on voit quand même une Cour internationale de justice qui a son écrasante majorité. Vous voyez, quand il y a une personne corrompue au milieu de 12 ou 15, eh bien, ça se voit. Vous voyez que toutes les recommandations de la Cour internationale de justice se sont faites à 14 voix sur 15 ou 13 sur 14, je ne sais plus. Et puis la 14e, vous savez, c'est pour la blague, c'est l'Ouganda qui a accepté de recevoir des Palestiniens en masse, etc. Enfin bon, je passe. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le droit, à partir du moment où il n'est plus la décision d'un seul homme ou d'une seule femme, eh bien, le droit pointe son nez. Et c'est ce point de son nez qui probablement fait très très peur ces jours-ci du côté israélien, puisque vous le savez, eh bien, c'est sorti, ça a été repris par les médias israéliens. Il semble que, et vraiment rendront hommage au travail considérable qui ont été faits par un certain nombre, et notamment par Gilles Devers qui était à cette tribune il y a quelques mois, il semble enfin... que c'est même les échos que j'avais du côté de la haie. Il semble enfin que le procureur se soit décidé à lancer des mandats d'arrêt, que ne l'eût-il pas fait plus tôt, et combien de morts auraient peut-être été évitées s'il l'avait fait plus tôt. Voilà. Donc le droit pointe son nez. Je voudrais faire une référence aussi à quelqu'un qui pointe son nez ici, auquel je voudrais rendre hommage, que je ne connaissais pas il y a encore 6 mois ou un an,
Et j'ai été frappé, moi, en tant que très modeste observateur de la bande de Gaza, et même du Hamas, puisque le premier livre que j'ai écrit, j'en ai écrit 7 jusqu'à présent, je suis en train de faire le 8e, eh bien, a été consacré à une biographie de Mohamed Rantissi, frère de Abdelaziz Rantissi, membre fondateur du Hamas. Autrement dit, ça fait plus de 20 ans que je baigne dans le Hamas, j'ai rencontré, je ne vous dirai pas qui, mais en tout cas les plus hauts dirigeants, et je suis en contact avec eux très facilement. Et j'ai été estomaqué en écoutant les discours, les interviews longues de Jacques Beau, et en consultant, en me jetant fébrilement sur son bouquin, j'ai été estomaqué du niveau de connaissance, et je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas. Mais moi, j'étais de l'autre côté, et j'ai eu beaucoup d'informations en temps réel. Là, je ne vais pas vous raconter ma vie, déjà je ne racontais pas la mienne, mais c'est des gens que je rencontre dans plusieurs livres. Eh bien, c'était très jouissif, si j'ose dire, car j'ai vu des événements dont j'ai eu le récit par le côté palestinien, et lui, il les a pointés aussi. Alors, et quand il dit qu'il ne connaît rien au masque, qu'il n'a jamais rencontré personne, là, vraiment, je crois qu'il a un espèce de... Il y a quelque chose qui nous échappe, il faut qu'on tire ça au clair. Alors, je finis rapidement sur les bons points qui m'ont été... plutôt sur ce qui m'a été dit par la position de la France. La France, aucune référence dans cette heure et demie de discussion à la Cour pénale internationale. Beaucoup d'espoir, Madame des Émirats est peut-être toujours là, beaucoup d'espoir du côté de ces États arabes. Ah bon, pourquoi ? Elle ne m'a pas dit parce qu'ils ont de l'argent. Non, elle m'a dit parce que certains qui sont très puissants remettent en cause la normalisation, donc ils pourraient faire pression. Vous voyez, c'est toujours pareil, alors que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, n'a aucune activité effective, uniquement des paroles, et des paroles non soutenues par un argumentaire, parce que l'argumentaire ne tiendrait pas, j'en ai eu la preuve ce jour-là, eh bien, se repose sur une modification de la position de toute une série de pouvoirs autoritaires ou de dictatures. Avouons que ce n'est pas très sérieux. Et puis, alors là aussi, et je dois dire que ça s'est passé le 4 avril, depuis il y a eu les événements avec l'Iran, eh bien, et le vrai ennemi, m'a-t-on dit, c'est quand même l'Iran qui manipule toutes les ficelles là-bas. Voilà, c'est l'Iran qui est vraiment la cause de tout. Je veux dire, ça m'a fait un petit peu peur. Mais j'ai eu raison d'avoir peur, puisqu'on a vu ce qui s'est passé ensuite, et avec instantanément, eh bien, devant cette attaque, entre guillemets, iranienne, eh bien, l'aggravation des sanctions par l'Union européenne. Autrement dit, pour terminer, là, il m'a été dit eh bien, que la France travaillait très, très sérieusement sur le plan diplomatique à la résolution à l'écriture d'une résolution du Conseil de sécurité qui tiendrait compte, tenez-vous bien, à la fois qui recevrait l'agrément à la fois des Israéliens et des Américains. Vous voyez ? Ah non, mais il faut l'avoir entendu, et dans le palais de l'Élysée, pas dans les ors, vous voyez, dans les bureaux à côté, il faut vraiment avoir entendu ça pour être convaincu. Et je suis peut-être, de ce point de vue, un petit peu en désaccord avec Youssef Boussouma, qui est plus optimiste que moi, mais pour être convaincu que la France ne jouera aucun rôle efficace dans cette affaire, que son objectif, c'est une espèce de remise en scène d'une autorité palestinienne dont on ne saurait pas très bien qui va la désigner. On le sait un petit peu, puisque M. Macron avait demandé à son entourage, à tous ceux qui connaissaient plus ou moins le Proche-Orient, de lui donner deux noms pour succéder à Mahmoud Abbas. Bon, on nage véritablement dans la pantalonnade. Et en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de problème humanitaire à Gaza. Il n'y a pas de problème humanitaire à Gaza, il n'y a qu'un problème politique. Et ce problème politique, c'est chez nous qu'il se situe. Donc, en dehors de financer peut-être directement le Hamas, s'il y en a qui ont des trucs pour le faire, je pense que le mieux, eh bien, c'est de travailler nos opinions, travailler nos politiques, et pourquoi pas soutenir, par exemple, l'excellente initiative de Michel Collomb. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir et merci pour l'invitation spontanée lorsque je suis arrivé un peu en retard. En tant que professeur de droit international et ancien haut fonctionnaire
à l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Je vous propose une note d'espoir, à savoir, il y a des normes claires de droit international, il y a des tribunaux compétents. Comme vous savez, trois cas sont devant la Cour internationale de justice, un cas devant la Cour pénale internationale, et je vous suggère d'aller à l'internet www.icj-cij.org et vous pouvez lire les textes vraiment très très bien rédigés présentés par la Afrique du Sud et tous les débats devant la Cour internationale de justice, aussi les textes très bien présentés de Nicaragua contre l'Allemagne. Alors, ça donne espoir, parce qu'on a finalement eu le courage de s'adresser aux institutions qui devraient défendre le droit des Palestiniens et notre droit, d'ailleurs. D'après la jurisprudence de la Cour internationale de justice, dans plusieurs cas qui ont touché la question du génocide, c'est absolument clair que Israël a commis le génocide. L'article 2 et l'article 3 de la Convention sur le génocide de 1948 s'appliquent pleinement. Et en ce qui concerne la complicité des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, la complicité est très bien établie et le texte de Nicaragua est excellent selon l'article 3, petite e. Le juriste allemand, Dr. Daniel Müller, et les juristes français, membres de la Commission des droits internationaux, à la télé, ont présenté les cas oralement le 8 avril. C'était vraiment impressionnant. Alors, je vous assure, Israël sera condamné. Je ne sais pas si sera cette année ou l'année prochaine, parce qu'on essaie de pousser l'inévitable. On ne veut pas dire qu'Israël a commis un génocide, imaginez. Alors, le peuple juif qui a souffert un holocauste, lui, en train de commettre un autre holocauste. Alors, ça, c'est dur à dire, c'est dur à accepter, c'est dur à digérer. Et l'Allemagne, imaginez, un deuxième génocide où l'Allemagne est complice. Et alors les choses, alors j'ai entendu aussi la défense de l'Allemagne, vraiment honteux. Honteux, on est en train de détruire le langage. C'est l'orwellianisme pur. Mais il y a des précédents et la Cour ne peut pas faire marche arrière. La Cour internationale de justice a une jurisprudence. Et elle peut seulement aller en avant. Elle ne peut pas faire marche arrière. Comme je t'ai dit, les critères de la Convention de 1948 sont pleinement applicables. En plus, on a les discours de la haine. C'est là aussi une responsabilité. Vous savez, toute la jurisprudence de la un cours pénal pour les Rwandais. Il y a pas mal de précédents sur les discours de la haine qui amènent, ou qui justifient, ou qui font l'apologie
de crimes de guerre et de crimes de l'humanité et du génocide. Alors ça, c'est l'article 3, petit c. Alors ça, évidemment, notre presse, sûrement le New York Times, sûrement le Washington Post, sûrement le CNN, hélas, en Allemagne aussi, Der Spiegel, aussi Die Zeit, aussi Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les choses que j'ai lues dans ces journaux, c'est vraiment étonnant pour des États qui sont soi-disant des États de droit et des États qui respectent les droits humains. Je vous propose de lire beaucoup des articles et des analyses par de grands professeurs d'origine juive ou même qui sont juifs pratiquants, comme Jeffrey Sachs, professeur à l'Université de Columbia. Alors, il écrit régulièrement sur ce thème, et c'est lui aussi qui a dit « not in my name ». Il ne veut pas que l'État juif commette des crimes atroces qui vont laisser un ombre sur les peuples juifs pour très longtemps. C'est comme avec l'Allemagne. Alors, les crimes de l'Holocauste étaient tellement énormes que des générations plus tard souffrent de cette culpabilité. Mais on comprend les complexes de culpabilité parce que les crimes étaient aussi atroces. Et ce qui est encore pire, si vous voulez, c'est que dans ces cas-là, on les voit à la télé. À l'époque du génocide contre les Juifs en Allemagne, en Pologne, etc. Alors, on ne les a pas massacrés là, au centre de Berlin, à la place de Paris, à Berlin. On les a mis dans on les a transportés à Auschwitz et à Majdanek et à Lublin et à Sobibor. Et là, on les a tués et tout le monde était obligé à se taire. Ici, on le voit et on écoute le président de Israël, on écoute les premiers ministres, on écoute les ministres de défense d'Israël. C'est vraiment époustouflant comment ces gens font allusion messianique à Amalek, à la destruction d'Amalek, comment on fait allusion au livre de Joshua et la destruction de Jéricho, etc., etc. C'est horrible, la propagande, mais tellement ouverte. Alors, c'est l'Afrique du Sud nous a fait en service, parce que les pages 59 jusqu'à 69, c'est une collection de citations des dirigeants israéliens qui prouvent pleinement l'intention. L'intention, c'est pas seulement un nettoyage ethnique, c'est vraiment le génocide. Alors, c'est horrible, mais on le voit. Ce qui est grotesque, c'est que, hélas, même la presse suisse, il y a une apologie du génocide dans la presse juive. Non, j'étais interpellé par quelque chose que notre ami Youssef Bauzuna nous a dit, à savoir, et vous avez raison, on pourrait théoriquement expulser Israël des Nations Unies. C'est prévu dans l'article 6 de la Charte. Mais évidemment, les États-Unis ont déjà utilisé le veto 80 fois pour protéger Israël du criticisme ou des sanctions, etc.
Alors c'est évident que ça ne passe pas. Par contre, je vous rappelle une chose, ça touche aussi l'Afrique du Sud. 1973, qu'est-ce que, en face de l'apartheid, qu'est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies a fait? Simple. Et ça, on peut le faire sans l'aval du Conseil de sécurité. Carrément, on retire l'accréditation de représentants israéliens. C'est-à-dire, ils n'ont plus une badge, ils n'ont plus le droit de parler à l'Assemblée générale, et bien sûr, ils n'ont plus les votes. Alors, l'Afrique du Sud a souffert cette sorte de boycott de l'Assemblée générale et de tout le système des Nations Unies. Ils étaient toujours nominalement membres, mais ils étaient exclus. Ils étaient des pariahs. Ils étaient rogue state. Alors, la même chose, on peut la faire dans l'Israël d'aujourd'hui, et c'est dans les pouvoirs de l'Assemblée générale. Un autre point, parce que je ne veux pas prolonger ça, je veux écouter les questions du public. Dernier point, parce que c'est la propagande de la presse. On nous dit toujours 7 octobre. Bien sûr, comme Jacques Beau nous a dit tout au début, la guerre n'est pas commencée le 7 octobre 2023. La guerre a commencé déjà 47 et 48. On a mentionné Count Bernadotte, et qui a tué Count Bernadotte? Des terroristes israéliens. Alors, il y a un cas de la Cour internationale de justice sur le cas Fokker Bernadotte. Mais une autre chose qu'on nous suggère dans la presse, le droit de autodéfense. Alors, le droit de autodéfense est très limité. Hein? L'article 51 de la charte est très limité et ne s'applique point dans la situation d'Israël aujourd'hui. Qui peut invoquer l'article 51? Un État qui a été agressé par un autre État, mais un État qui est un État occupant, un État qui a occupé un territoire contre les grès du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a dit à Israël déjà 1967 dans la résolution 242 qu'ils ne peuvent pas rester. L'armée doit se retirer du territoire à occuper. Et un pouvoir occupant, d'après la Convention de Genève de 1949, ne peut faire rien de ce que Israël se permet dans les territoires occupés. Il y a une violation flagrante et continue de la Convention 4e de 1949. Donc, chaque fois que vous entendez « Oh, c'est l'autodéfense, Israël a le droit de se défendre », non. Qui a le droit de se défendre? Les Palestiniens. Eux, ils sont les victimes. Alors, bien sûr qu'il y a énormément de victimes de deux côtés, ça on sait. Mais qui est le coupable? Qui est l'agresseur? Sans doute, clairement, en droit international, l'agresseur, c'est Israël, et les victimes sont les Palestiniens. Merci. Oui, merci. J'ai un bref constat en introduction. C'est un peu pour ramener aussi à ce qui devrait être l'agenda du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien ici en Suisse. On a pu entendre un peu les difficultés qu'il y a déjà avec le gouvernement français, la politique française,
par exemple, répression des manifestations ou des conférences. Je veux juste dire, malgré peut-être un climat un peu moins crispé ici en Suisse, mais la situation n'est pas facile non plus. Vous lirez avec intérêt la Tribune de Genève aujourd'hui, une membre du gouvernement genevois qui justifie pourquoi il faut restreindre le droit de manifester suite à la multiplication des manifestations pro-palestiniennes. Moi, j'appartiens à une organisation qui a reçu 14 amendes, 400 francs suisses chacune, pour des petits rassemblements dans un lieu un peu visible, mais totalement pacifique et tout ça. Donc, on a nos difficultés, non seulement ici à Genève, avec les autorités genevoises, un des cantons les plus riches de Suisse et du monde, mais on a des difficultés encore pires, évidemment, avec notre gouvernement fédéral qui, depuis le 7 octobre, mais déjà avant, a totalement répondu à l'agenda israélienne, c'est-à-dire notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, mais derrière lui, une peut-être petite, mais quand même majorité du gouvernement, a immédiatement suspendu des versements à différentes ONG palestiniennes. Il a œuvré à ce que les partis qui constituent la majorité de cette coalition essayent de couper les fonds à l'UNRWA déjà avant la campagne qui a commencé en janvier de cette année pour saboter l'UNRWA et qui a ensuite repris ses sanctions contre l'UNRWA déjà au mois de janvier, qui est un des rares pays qui les maintiennent encore. On est arrivé au point le plus bas, je dirais, de la bassesse de la position, nouvelle position du... Oui, la question, alors, c'est la non-reconnaissance de l'État de Palestine, membre de l'ONU de l'autre jour. Mais la question que je veux poser au panel, c'est est-ce que vous pensez que l'autre grande décision de notre gouvernement, c'est-à-dire de faire une loi qui interdit le Hamas et le met sur une liste terroriste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des organisations terroristes, et on a un grand spécialiste en la matière ici sur la table, est-ce que vous ne pensez pas que ça participe à la délégitimation de tout ce qui est droit international et d'espoir de régler y compris les crimes de guerre commis par tout le monde au niveau international, plutôt que de dériver et de se mettre dans le sillage de la guerre globale contre le terrorisme menée par les États-Unis? Est-ce que Jacques Beau, du haut de son expertise, serait prêt à conseiller les décideurs politiques qui vont voter cette loi bientôt à Berne, de les conseiller de ne pas le faire? Merci, monsieur. Merci. Déjà dans le cadre de la Société des Nations, les pays de la Société des Nations se sont écharpés sur la définition du terrorisme. On n'est jamais arrivé à une définition du terrorisme. Et aux Nations Unies, c'est le même problème. En gros, il y a deux écoles qui existent dans les définitions du terrorisme, mais les pays occidentaux qui définissent le terrorisme en fonction des effets, c'est-à-dire quand on met une bombe chez des civils, etc. Et puis vous avez les pays du Sud qui disent le terrorisme, c'est finalement, on ne peut pas définir le terrorisme parce que c'est une réponse à une oppression qu'il y a, et comme on n'a pas d'autres moyens pour agir que l'action par la force, donc c'est en fonction de l'intention qu'on doit déterminer le terrorisme et non pas en fonction de l'acte, du résultat. Voilà. Donc il n'y a pas de définition internationale. Maintenant, pourquoi c'est problématique concernant le Hamas? Le Hamas et ceux qui ont lu mes encyclopédies des terrorismes ont constaté que dans les années 2000, j'avais mis le Hamas comme organisation terroriste. Mais si vous lisez mon dernier livre, je dirais qu'il faut relativiser aujourd'hui cette désignation. Pourquoi? Parce que le Hamas est un mouvement qui, au début des années 2000, et notamment parce qu'à cause de la guerre contre la terreur qui avait été engagée par les États-Unis et les tentatives de l'État d'Israël d'assimiler le Hamas et les mouvements palestiniens d'ailleurs à Al-Qaïda,
les mouvements palestiniens ont commencé à restreindre leur activité, je dirais, terroriste, entre guillemets. De nouveau, compte tenu du fait qu'il faudrait le définir, mais bref. Et le Hamas en particulier s'est tourné et a essayé de devenir une organisation politique. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté aux élections communales de 2005, puis aux élections palestiniennes, enfin du Parlement palestinien, législative palestinienne, en 2006. Il a gagné, et raison pour laquelle il a eu le pouvoir dans la bande de Gaza. C'est parce que le Hamas a eu gagné le pouvoir de cette manière que les pays occidentaux, et notamment les États-Unis, ont organisé un coup d'État avec l'aide du Fatah pour renverser le gouvernement du Hamas, et c'est ce qui a donné les affrontements du Hamas dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, quand on vous dit que le Hamas a pris le pouvoir de force à Gaza, c'est tout simplement un mensonge. Et on sait très bien tout ça parce que ça a été divulgué par Wikileaks et il y a un certain nombre de documents qui ont été publiés aux États-Unis dès les années maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en 2018, un certain nombre qui détaillent toute l'activité des Américains pour renverser le Hamas et faire croire que donc ça s'est passé justement en 2006-2007. Donc, le Hamas, je pense, ne mérite pas aujourd'hui l'appellation terroriste, même s'il l'a mérité par le passé. Alors, on vous dit, oui, mais il tire des roquettes. Alors, je me suis penché sur la question des roquettes, et je le mentionne d'ailleurs dans mon dernier livre sur l'opération Al-Aqsa. Et j'ai constaté que les tirs de roquettes ne sont jamais gratuits. Ils sont toujours en réponse aux frappes israéliennes. Le problème est que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza, qui sont... je ne vais pas dire quotidienne, mais presque, elles ne sont pas considérées comme des actes de guerre. Et notamment lorsqu'il y a un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et le gouvernement, les frappes, lorsqu'Israël frappe le Hamas, il ne considère pas que c'est une rupture du cessez-le-feu. Donc on n'entend jamais parler de ces frappes, parce qu'elles n'apparaissent pas du tout dans nos médias. Par contre, on parle des roquettes tirées en rétorsion par le Hamas. Donc, je ne pense pas que le Hamas aujourd'hui réponde à la définition de mouvement terroriste. D'autre part, il y a un autre phénomène. Donc, l'armée américaine, par exemple, lorsqu'elle est en Irak, elle se faisait tirer dessus par les Irakiens. L'armée américaine ne considère pas ces attaques comme des actes terroristes, même s'ils utilisent des bombes, même s'ils utilisent des embuscades, même s'ils utilisent des méthodes qu'on pourrait assimiler à du terrorisme. Pourquoi ? Parce que même l'armée américaine considère que quand on est en situation d'occupation, le fait qu'on tire sur l'occupant fait partie du travail de la résistance. C'est tout simplement ça. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose que ce qu'avaient fait les résistants en France dans les années 40. Voilà. Donc, moi-même, j'ai eu un oncle dans la résistance en France. Quand il me décrivait ce qu'ils avaient fait, c'est exactement la même chose. Donc, on est dans une définition qui est à ce titre un peu difficile. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'en réalité, le mot terroriste est utilisé à des fins politiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ferme la porte à toute négociation, à tout dialogue. Parce qu'automatiquement, on ne parle pas aux terroristes. D'ailleurs, on répète ça tous les jours. Si on appliquait ce principe, on ne parlerait plus au gouvernement israélien. Parce que le gouvernement israélien est issu, enfin Israël est issu du terrorisme. Puisque comme on l'a répété à plusieurs reprises, et ça a été évoqué notamment lors de l'évocation de l'affaire du comte Bernadotte, c'est des acteurs, alors c'est un des exemples, mais l'Irgun, la Haganah, etc., étaient des mouvements qui étaient considérés par les Britanniques comme terroristes. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces situations ? On ne parle plus à Israël ? En plus, il y a d'autres phénomènes qui se jouent. Si on dit que le Hamas est un mouvement terroriste, bon, et il y a des parlementaires américains qui ont soulevé la question. Il y a une loi américaine qui interdit au gouvernement américain de financer un gouvernement qui a financé le terrorisme. Or, on sait de l'aveu même des Israéliens qu'ils ont financé le Hamas. Alors, est-ce que le gouvernement américain doit fournir des armes à Israël ? Donc, vous voyez que l'appellation terroriste, en réalité, on ne va pas résoudre la question aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle appelle plus de problèmes que de solutions. Et que
Les Israéliens considèrent le Hamas comme terroriste, dont acte, et on n'arrivera pas à changer. Mais je trouve absurde que des pays extérieurs qui ne sont pas concernés par ce problème, parce que le Hamas est un mouvement qui a toujours opéré au sein de la Palestine, jamais en dehors. Et par conséquent, lorsque nous ne sommes pas concernés, il n'y a pas de raison, en fait, pour qu'on se crée une porte supplémentaire qui ferme la porte au dialogue. Voilà. Alors ma question est que, puisqu'on ne peut rien faire, on ne fait rien, le massacre continue, la Cour pénale internationale n'a pas les capacités de faire venir ou de faire intervenir les casques bleus pour arrêter ce massacre qu'on a fait en ex-Yougoslavie? Parce que c'est la seule solution que je vois. Autrement, on continue de tuer, jusqu'à il y a zéro Palestine. Alors, tout État a l'obligation, selon la Convention contre le génocide, de prévenir le génocide. Pas seulement de ne pas s'impliquer directement, mais de faire tout en sorte que dans le monde entier, ça ne se passe pas. Alors, vous avez parlé de l'effondrement du droit international. C'est pire que ça. Alors, on est en train, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, sont en train de détruire ce qu'on a construit pendant 400 ans, c'est-à-dire un système basé sur des règles, des normes très claires. Nous avons merveilleux traité sur tous les domaines. Mais lorsque les États-Unis et le Canada, etc., les exemples pour le monde, ont trahi le monde, ont complètement abandonné leur obligation de droit international. Alors ça, c'est gravissime. J'écris sur ça dans mon dernier livre paru l'année dernière qui s'appelle The Human Rights Industry. C'est là-bas. L'industrie de droits de l'homme. Et j'ai abordé la question déjà abordée par Juvenalis il y a 2000 ans dans le sixième satire, où il a posé la question « Quis custodiet ipsos custodes ?» Qu'est-ce que vous faites lorsque les institutions qui ont été créées pour défendre votre droit vous trahissent? Et c'est exactement ce qu'on voit. Il y a une destruction de droit, il y a un mépris du droit, et il y a une destruction du langage. J'ai déjà abordé la question de 1984 et de George Orwell. Et c'est beaucoup pire parce que ça ne fonctionnait pas tellement bien dans le roman de Orwell. Mais ça fonctionne parfaitement bien aujourd'hui. L'indoctrination, le lavage des cerveaux conduit par le New York Times, le Washington Post, CNN, Der Spiegel, Le Monde, etc., etc., est tellement complète que même si vous parlez, vous avez la vérité, mais on ne vous croit pas. Moi-même, j'étais, si vous voulez, un patriote américain, et ça m'a coûté des années et des années de me rendre compte qu'on m'a menti toute ma vie, pendant toute ma vie, qu'on m'a imposé de paradigme, on m'a imposé l'obligation d'admirer une personne et de détester une autre personne. Mais on ne se pose pas la question pourquoi. Alors, il faut absolument penser par soi-même. Alors, je cite Horatius, sapere aude, il faut avoir le courage de penser lui-même, vous-même, et de dire
ils sont en train de me mentir, de ne pas croire que nos médias nous disent la vérité. Et dernier point, le droit à la résistance, c'est un droit international. C'est très bien étayé dans des centaines de résolutions des Nations Unies, sorte du Conseil des droits de l'homme, de la Commission des droits de l'homme, de l'Assemblée générale, etc. etc. Et bon. Je m'excuse, c'est un peu non-démocratique. Sur la question des sorties de Gaza, je suis un peu d'accord avec ce que mon voisin a dit tout à l'heure. La majorité des Gazaouis ne voudront pas sortir parce qu'ils savent depuis 1948 que quand on part, c'est sans doute pour la vie. Mais il y a en ce moment des telles destructions qu'il y a des gens qui veulent mettre des familles à l'abri. Du côté égyptien, il y a une véritable mafia qui s'est créée, ce qui n'a rien d'étonnant de la part d'un gouvernement collabo, parce que le blocus de Gaza n'aurait jamais été possible avec l'ampleur qu'il a prise, sans la complicité éhontée de l'armée égyptienne, qui y compris depuis des années tire sur ceux qui essaient de passer clandestinement la frontière. Actuellement, il y a une pseudo-agence de tourisme qui est complètement liée à Sisi. Et selon les cas, c'est 5 000 pour les adultes, 3 000 pour les enfants, ou un peu plus si ce n'est pas quelque chose de collectif. Donc, on est complètement rançonné, avec en plus des conditions que si on n'a pas une famille en Égypte, on ne va pas pouvoir rester longtemps. Alors, il y a d'autres procédés. Toi, tu as été reçu à l'Élysée, et nous, on a été reçu au ministère des Affaires étrangères français, pour essayer d'exfiltrer la famille de notre correspondant de Gaza. Leur maison a été bombardée et tout. Il y a des inscriptions sur des listes que fait le gouvernement français, extrêmement rares, avec des critères très précis. Peut-être qu'ils vont faire une exception pour les nôtres. Quand on est inscrit, c'est après au bon vouloir des Israéliens si on peut passer. L'avantage, c'est qu'on ne paie pas. Il y a comme ça, par exemple, Iyad Al-Aslal qui a fait toute la partie palestinienne gazaoui du film Yalla Gaza. Sa famille a pu sortir en novembre, lui il a été bloqué par les Israéliens et il est sorti plus de 3 mois après. Donc il y a que ça actuellement. Côté Égypte, que je peux dire de source sûre, Sisi a rasé il y a quelques années la ville égyptienne de Rafah, qui avait 80 000 habitants, qui était peuplée de Palestiniens. Donc il y avait Rafah était coupé en deux, les fameux tunnels allaient des Gazaouis de Rafah aux Égyptiens de Rafah, mais c'était les mêmes familles. La partie a été rasée, les habitants ont été relogés dans les villes du canal de Suez. Probablement Sisi était sur le point d'accepter de servir d'exutoire à une expulsion massive des Gazaouis, de mon avis, mais ça n'engage que moi. Les manifestations massives qui ont eu lieu au Caire et à Alexandrie après le 7 octobre et qui étaient les premières manifestations depuis son coup d'État font que maintenant il sait qu'il ne le fera pas parce qu'il va sauter s'il accepte ça. Donc à mon avis, mais ça n'engage que moi, sauf si on lui donne vraiment des milliards, Sisi n'acceptera pas l'expulsion des Gazaouis vers l'Égypte. Merci. Concernant la question de la position de la Suisse, alors je n'ai pas de réponse très éclairée, mais sur la base d'informations non confirmées, et notamment sur... j'ai travaillé aux affaires étrangères pendant un certain temps quand même, et par rapport également à ce qui s'est passé à l'égard de l'Ukraine, enfin de la Russie plus exactement, les sanctions, je peux vous dire que la Suisse est actuellement, enfin depuis maintenant 2 ans, est sous pression des États-Unis de manière extrêmement forte. Je ne peux pas donner beaucoup de détails, mais je peux vous dire que c'est une réalité, que la Suisse est un petit pays qui dépend finalement de ses voisins, qui n'est pas défendu, entre guillemets, par d'autres organisations qu'elle-même, puisqu'elle est indépendante, ce qui est d'ailleurs bien. Mais la partie négative de ça, c'est que les Américains considèrent que la neutralité, c'est le système de « vous êtes avec nous, contre nous ». Voilà, ça c'est le principe général. Et la Suisse, malheureusement, tombe dans ce... Enfin, pour ne pas tomber dans ce critère-là,
La Suisse est sous pression. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle la Suisse a dû... Parce qu'elle s'est abstenue, elle n'a pas voté négativement, elle a voté comme le Royaume-Uni. Comme le Royaume-Uni. Donc on est avec deux pays qui sont sous, sous diktat, des États-Unis. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que la Suisse n'avait aucun intérêt à le faire. Je pense qu'au contraire, ça nuit à la Suisse, et on le voit d'ailleurs dans les négociations, on le voit maintenant du côté de l'Ukraine, que la Suisse n'a plus de crédibilité nécessaire pour s'engager dans une conférence de paix. Ce sera la même chose avec la Palestine. Autrefois, dès qu'il y avait un problème, on appelait la Suisse. Aujourd'hui, on appelle qui ? On appelle la Turquie, on appelle le Qatar. Oui. C'est un effet, et je pense que malheureusement, on a une politique étrangère qui aujourd'hui, enfin, qui depuis maintenant, en tout cas depuis 2 ans, a pris un pli qui va à l'inverse total de la tradition de politique étrangère de la Suisse, de sa politique de sécurité et de sa tradition de neutralité, en fait, parce que la Suisse a été, en 1815, je rappelle, qu'on a imposé à la Suisse d'être neutre. Ouais. Ça a été imposé à la Suisse. Or, la Suisse ne répond plus, à mon avis, à ses engagements. Voilà.